Bonjour YouTube, hein. Bonjour. Bonjour. Ouais, en fait, on a lancé une carte, les États-Unis de l'Amérique, mon bois noir, le bois différent, tout ça, des trucs pas compliqués. On s'organise, hein. On est en train de s'organiser, c'est pour ça que ça mon, prend. Boss mort ou un truc comme ça, bois noir, bois noir, mon bois noir, ça s'appelle. Alors moi, je le vois, le bois, il est marron. Bon bah, je peux pas y aller en Ford. T'es sérieux? Alors, dernier épisode, tu t'es foutu de ma gueule parce que je me suis planté. Je me suis même pas mis 500 dégâts, je suis deg. Overdeg. Attends, attends, je vais avoir de la réparation sur moi. Oui, j'ai de la réparation. Attends, ah merde, je viens de te réparer. Ça me fait plaisir. Je me suis remis de l'essence aussi, ça fait bien plaisir. On pas un peu de répa là, attends. Parce que là, je... Là, je pense que je vais souffrir un peu. Hein. Parce que les voyages, moi, je peux pas réparer. Tu peux pas te réparer plus. C'est suffisant. Mais du coup, j'ai pas besoin d'y aller puisque t'y vas, toi. Mais je vais faire les points d'observation, moi. Ah, avec ton Ford? Oui. Ok. Tu sais quoi, mon Ford, du coup, il va caler maintenant. Ah, je peux faire un petit plein de... Un petit truc à remplir en plus. Okay. Oui, oui, t'as 20 litres supplémentaires. Ah, j'ai un petit Jericho. Ah oui, je vois derrière, j'ai un petit Jericho. Oh, par contre, la caméra, quand tu passes sous un bâtiment, c'est horrible. Ah, c'est horrible, hein. Ah, c'est horrible, t'es obligé de passer en FPS, hein. Le jeu qui est là, mais non, mes caméras sont bien gérées, vous en faites pas. Passer en FPS. Ça. En intégrale, on s'en va. C'est un poteau. Fou. Je l'ai eu à peu près, hein. Alors, c'est américain, ça tourne pas, c'est de la merde. À retenir. Faut juste retenir cet élément. C'est américain, alors, ça tourne pas, c'est de la merde. Oui, ça patine pas dans la. Putain, chaud, j'ai roulé en intégrale juste parce qu'il s'envole. Hein. Oh pute. Oh, c'est incroyable. Je suis pas en intégrale, mais je vais doucement. Je me limite à la 1 plus. Non, mais ça va être ça, t'étais obligé de rouler sur route en 1 plus. Ah, vous tirez du bois, vous êtes dans la boue. Non, je suis sur la route. Mais vous tirez quelque chose de lourd. Non, rien du tout. Je tire mon propre véhicule, ça a l'air assez compliqué comme ça. Pop, pop, pop. Alors, j'ai loupé un point de vue, mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est une route. Ok. Je sens que cette carte va être lourde. C'est quoi? Oh, ça va aller, moi, ça va. Moi, tep. Oh, putain. Oh, puis il est bien équilibré le Ford, hein. Pas du tout le cul qui a envie de passer devant. Hein. Non, c'est quoi? J'y crois pas. Bon, le Ford a aucune puissance moteur. Hein. Pour monter la côte, je suis obligé de passer en intégrale. Ah oui, non, mais ça c'est terrible. Non, mais c'est de la merde. Enfin, il va plus vite que le. Je suis même pas sûr qu'il soit mieux en vrai que le 469. Hein. Ouais, là, il a un point de gravité plus bas, va-t-on dire. Ça peut être bien. Ouais, ça va être son seul avantage. C'est qu'il est plus bas, plus large. Du coup, vu qu'il est un peu plus large, un peu moins. Ouais, je sais même pas s'il est un peu moins. Il consomme moins par contre, ça c'est un truc qui est sûr. Hein. Que le 469? Ouais, c'est sûr. Le 469 t'es toujours à 5. Ah oui, d'accord, par contre, ouais. Ok. Ouais, d'accord, ok. Par contre, ok. Non, mais ok. Ok. Si t'arrives. Non, mais je t'ai dit, ouais, sans aucun doute, il y a une route qui va. Alors, c'est vrai, il y a une route qui va. Regarde le tracé que j'ai fait sur la carte déjà. Ouais. Ouais, y'a la route qui va, hein. Le seul truc c'est que tu fais 4 fois le tour de la map quoi pour arriver. Ouais mais c'est de la route. Y'a un pont du coup? Y'a quoi? Oui, y'a un pont, ouais, easy life. Mais question, on est bien d'accord que sur la map... Par contre j'aurais pas un point de vue là par là, hein. Juste à ma gauche. Ok. On peut couper d'ailleurs par là en camion. Je fais pas avec le Ford parce que c'est de la merde. Mais... Si on est en camion on peut... J'ai pris un point d'observation, je sais pas si t'as un véhicule à débloquer par là. Moi j'en ai un. Ok, je viens de repéter mon Ford, c'était bien. À rien de trouver ton camion. Hein. Ah, outil de réparation, j'ai. Ah, mais non, mais c'est juste du carburant. J'ai rien dit. Ah, je vais pas m'énerver du tout. Oh, tu m'as trouvé un camion. Waouh, super camion. Moi, je peux le prendre, il est pas verrouillé et c'est un gros camion américain. Ouais, avec un brumier. Ouais. Bon, je suppose qu'on peut les laisser là pour l'instant, hein, ça ne sert pas à grand chose. Moi, j'arrive avec mon Ford, je vais aller chercher le point de vue, mon autre Ford.
Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à avancer sur la route avec mon camion mule et mon C4310 pour aller chercher du carburant et préparer les autres. Oh, attends deux secondes, hein. Je vais d'abord aller débloquer ton véhicule parce que ton véhicule qui est au milieu de la carte, c'est un camion et je sais pas ce qu'il a sur le dos. Il a peut-être déjà un peu de fuel, parce qu'il peut déjà peut-être dépanner un peu. Ouais, avancer. Permettre de refaire le plein pour permettre d'aller là-bas. Ouais, ça peut être ça. Ouais, bah déjà permettre d'avancer un peu quoi. Au moins jusqu'au garage quoi, ça serait bien. Et c'est là où c'est dommage qu'on puisse pas siphonner un véhicule pour mettre le reste dans un autre d'ailleurs, parce que... Mais en fait, tu peux siphonner les réservoirs, mais que si t'as une station essence. Truc qui est chiant. Oui, c'est ça. T'as un véhicule qui est planté. À quoi ça sert d'être russe quoi, genre on peut même pas transférer à vitesse de bouteille de vodka quoi. C'est nul. Jeu de merde. Je suis pas d'accord. C'est officiel. Par contre, les routes sont dégueulasses. Ouais, elles sont pas dingues. Hein. Les États-Unis. Oh, la France, ça s'est rendu hors de semaine. Ouais, sauf que la France, en 3 jours, elles avaient appris à faire meilleure route que vous. Et bim! T'as ton camion. Et à première vue, j'ai débloqué un autre Ford nul. Comme ça, si jamais j'ai envie de péter un autre Ford, je peux. Moi, c'est un Ford. J'ai décidé d'avoir beaucoup de budget dans l'essence et le carburant. Je pense que je vais aller le transformer en. Dans le camion réapprovisionnement, celui-là. Hein. Il a l'air. Ah oui, t'as enfilé un camion toi. Mais toi t'es vachement bien vu hein, par la société. Enfin, je m'excuserai hein, monsieur, ouais. La barrière, voilà la brouette, tout ça, bon bah nique hein, quelque part. Voilà. Moi je m'arrête là pour l'instant. F150 plus celui-là, ok. Je vais aller voir si je peux aller chercher. Allez, je vais recasser mon F150 quelque part. Tu sais qu'il a que 5 vitesses ce camion, mais qu'il va tellement vite, sympa. Ouais, c'est cool hein. Par contre, je m'envole. Ah oui, parce qu'ils ont. On n'a pas filmé parce qu'on fait des petites parties à côté pour farmer les succès, tout ça. Mais on a trouvé un camion à 9 vitesses et oh mon dieu, ça bouge. C'est vrai qu'avec le bison, c'est bien régalé. Oh, la route est pas si dégueu que ça ici. Hein, bah, surtout que déjà, c'est de la route quoi. C'est ça. Ah, oui, si tu veux, déjà, ça veut dire que moi je peux rouler en 3, boîte auto, pas intégrale, tout ça, avec mon gros camion en tirant l'autre. Hein. Moi j'ai tout gagné. Hein. Oh, par contre le Ford, hein, ici, le Ford il sait pas. Ici c'est un peu plus complexe. Et encore, c'est de la terre dure. Bon, par contre, ouais, ah ouais, j'avoue. Oh non, on est bien. Hein. Oh là là, le Ford il roule tout seul là-dedans. Ah par contre, j'avoue. Ah non mais d'accord, ok d'accord. Non, en fait le Ford est bien, hein. J'ai rien à dire. Si, hein. Ah bah j'ai roulé derrière toi dans la boue, à fond les manettes, Osef, il sait même pas enfoncer, rien. Non, c'est de la terre dure, pas de la vraie boue. Il y avait un peu de boue, hein. J'ai roulé dans les tranchées, dans la tranchée, j'ai pas bougé. Hein. J'ai même pas creusé, ralenti. Hein. Moi non plus, j'ai pas creusé avec le camion. Ouais. Mais bon, t'as... Moi je vois le nombre de roues que t'as sur ton camion, quoi, si tu veux. Puis encore une fois, t'es un camion, je te rappelle que les bagnoles, t'as déjà testé, hein, t'as vu, hein, des fois tu sors des garages, tu t'arrêtes tout de suite. Hein. Là j'ai pas eu de problème. Yes, victoire. Le Ford est arrivé. Ouh. On va lui mettre un coffre de toit. Et une roue de secours. Comme ça la prochaine fois qu'il a envie de se péter, au moins il a un peu plus de matos. Tac, on va passer donc sur le T537. On va allumer la machine de guerre. Machine de guerre allumée, on fait sauter le frein à main. Pas besoin d'intégrale, besoin de rien. Envie de toit, tout ça, tout ça. C'est écrit, ce véhicule n'est pas fait pour le tout terrain, mais c'est pour ça que ça m'interdit la remorque citerne. Ah non, qu'est-ce que... Non, normalement non. Allez, hein, on y go. Et c'est la chenille qui redémarre. C'est bon. Ah, par contre, c'est vrai que dès qu'il n'est pas en intégrale, la direction sur celui-là elle est compliquée. Hein. Oh, j'irai pas trop vite, hein, écoute. Hein. Allez, en vue intérieure, hein, le spécial. Ah, j'ai eu chauffeur, je sais pas ce que c'est comme succès. Je sais pas, mais tu vas nous le dire. Toi, remorque détachée, ouais. I repeat, remorque détachée. Qu'est-ce que t'as fait encore? What's up? Ah, changer de camion. Ça, chauffeur, parcourir un total de 100 km. Ok, d'accord. C'est ça que t'as eu, ok. Ouais, toi tu dois déjà l'avoir, ça c'est. J'ai pas beaucoup joué, moi, au jeu. C'est pas vrai, arrête de mentir. Ouais, c'est clair, tu parles mal. Hein. Ah oui, alors ça, c'est vrai que ça va être problématique pour tirer mes deux couillons là. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, en fait, si tu veux,
Ce qui est embêtant. Bah, en fait, si tu veux, c'est que les routes sont pas très larges. Donc, t'arrives, t'accroches un potal quoi. Alors, faut que je me mette correctement sous ma remorque. Par contre, ça va, t'as pas le camion le plus chiant à manœuvrer. Parce qu'en fait, le là, franchement, en vrai, on est sur route, c'est cadeau pour faire ce succès, hein, j'ai presque envie de dire. Moi, ouais, j'ai vu, on fait le succès à la con là du. Du camion nul, du B130. Ouais. Du coup, on va remplir une série pour. Mais il faudrait que tu le fasses aussi en vrai, hein, ici. Hein. Ouais, mais je leur ferai plus tard. Tu peux me tirer un peu le cucu, s'il te plaît? Parce que je suis vraiment encastré dans le poteau. Que le cul ou tu veux ouais, que tire juste le cul okay. C'est juste vraiment amène-moi avec un coup de treuil, ça va être bien. Voilà, c'est bon, chose normalement c'est bon. Hop, j'ai relâché le truc. C'est bon contre, en vrai je pense que tu devrais y aller un véhicule par un véhicule parce que je suis pas galérer ici. Quand même que je passe devant juste pour aller chercher le chien qui redémarre. Ouais, c'est moi qui vais tirer le gros avec mon petit camion. Ouais, j'ai même arraché un poteau, j'en ai rien à péter. Vas-y, juste avant, je vais aller faire le plein, comme ça on sera bon après. Non, mais je vais tirer avec le petit, j'y consomme rien. Petit jus. Patrick, on est bien. Oh, je tire le gros. Regarde-moi ce petit camion d'extrême avec ce panneau dans la tronche. J'ai emporté un panneau. Par contre, juste, j'étais pas, je ferai attention dans la terre, c'est au niveau de la plaque, pas de bien te mettre en première, parce que comme t'as pas d'intégrale, ni la possibilité de bloquer mon différentiel. Ah putain, t'es sérieux? Ah oui, ça, c'est moi qui l'ai bloqué. Ah ouais, alors là, s'il y a de la boue là, par contre, faut que je vire le BF-130 là, clairement. Allez, arrête-toi là, ma grosse. Relâche le camion arrière. Changer de camion, camion trop loin, obligé. Alors moi le succès là, le soi-disant succès de ne jamais utiliser la carte. Quoi? Pourquoi j'ai fait des dégâts avec mon camion? Question, comment tu le fais quand tu vois que t'es toujours trop loin de tout? T'es obligé de passer par la carte. Genre tu peux voir les équipements de deux camions, tu peux pas. Mais en fait je pense que tu une carte sur internet à côté sur un petit écran et puis c'est fini. Oui mais pareil si tu veux juste changer de véhicule, genre tu fais ça sur une map qui est assez simple. Mais que tu veux juste changer de véhicule quand t'es sur un garage, tu peux pas parce que ça t'ouvre que le mode avancé. Et le mode avancé sur le garage, c'est les options de ton véhicule. C'est ce que tu peux lui mettre. Ouais. Par contre, on crache sur les camions américains comme quoi c'est de la merde. Dans ce jeu, parce que ça a pas de direction, ça a rien, ça a pas d'intégrale ni rien. Ça et quand t'es sur la route. Mais ouais, et quand. Par contre, quand t'es sur la route, tu tires ta remonte, tu fais du 6 litres. Et que t'es à fond. Ouais. Oh puis t'as l'impression d'avoir l'hyper vitesse comme si on t'avait mis un ventilo dans ton camion quoi. Bon après dès que tu touches un petit peu de boue en dehors de la roue, c'est fini, ton camion il est mort, ça explose, ah ouais, c'est fini, ouais, du SEI Fokker, hein, ça explose dans tous les sens. Une roue en dehors de la route, un film de Michael Bay. Je pense que j'ai tout résumé. Ouais, c'est à peu près ça, je crois. Pas ça, non. En fait, même si les routes sont complètement je peux pas couper là, normalement, à un moment donné, là. Pour Ah oui, non, mais c'est loin. Pff, ouais, d'accord, on y est pas encore. Moi, je suis passé par la route comme un gros bourrin. Hein. Tant pis, on a un camion américain. Mais bon, en termes de litrons, je vais être peut-être limité. Bon, tu me diras, je peux faire basculer BF-130 devant. Pour consommer. Le B-130 Ouais. Ouais, ton intégral, normalement, t'aurais plus besoin. Voilà. Mais en fait, vraiment, les camions américains dans les maps américaines, ils servent correctement par la route. Hein. Mais ce qui est très bien déjà. Ce qui est très bien. Et puis on les apprécie parce que vraiment sur la route, ils sont cool. Ouais. Les camions, parce que eux ils ont pas les pneus gonflés à la russe. Bizarre, à moitié plat. Eux ils sont sous-gonflés en fait. Ils sont pas. T'es pas sous-gonflé pour le tout-terrain. Y'a pas que les russes, hein. C'est les motocross aussi font ça. Motocross, ceux qui font de la motocross. Putain, je suis pas vu le bâtard. Ceux qui font de la motocross acrobatique, ils sont sous-gonflés, mais de plus quoi. Leur pneu il est quasiment plat quoi.
Question, Knarfang, on est d'accord qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de checkpoint. Il n'y a pas de... de truc pour te dire faire un détour. Sur la route. Non. Bah partout. Ouais. La map elle est free hein. Celle-là elle est plus simple que l'autre. Ah oui, il n'y a pas de point de passage ouais. Non, il n'y a pas. Elle est free celle-là. Ouais, elle est cool. Ouais. Hey, il a pas un peu de fuel moi mon camion là dans son... Change de camion s'il te plaît, hein, vite fait. Je suis à l'autre garage de l'autre côté. J'arrive bientôt à la... J'arrive à la pompe à essence, je reviens juste après. Ok. Je pense que j'ai tapé des allers-retours. Ma partie ça va être aller-retour simulator à bord de ton camion transporteur d'essence. Hein. Mais y'a de la route. BF-130, ce qui vit. Oh, il vit une vie de l'angoisse, hein. Ouais, c'est bon, ça, j'arrive. Il vit une vie d'angoisse. Ah là, c'était pas une bonne idée, hein. Ah, effectivement. Ouais, mais je pense que c'est l'une des meilleures cartes, quand même, pour le faire. Ouais, ah non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, la traîner mon BF-130, c'était quand même pas une si bonne idée que ça. Oh, mais il bouge dans la boue. Mais c'est quoi ce BF-130 de la résistance, quoi? Incroyable. Il se prend pour un BF-109 quoi. Le truc se prend pour un avion allemand. Il a cru qu'il pouvait résister comme ça. Ah c'est trop bien. Ah mais c'est trop bien ça. Mais c'est ce qu'on appelle tricher ça madame, non? Moi j'adore. Par contre l'autre il s'enfonce dans le décor du coup à ma place. Ouais, intéressant aussi ça. Mais relâche assez. Allez. Tu es où Nathan? Oh sur la route hein. T'as passé le pont? T'as pas passé le pont? Ça dépend de quel pont on parle. Hein. Le grand. Du pont de Gennevilliers, non, je peux encore passer. Ouais, par contre, le camion américain, c'est drôle sur la route quand t'es à vide, mais quand t'es à plein, t'as c'est pas de train, ça passe par là. La remorque, elle passe devant ton camion. Yeah, c'est par là qu'on peut couper. Par contre, je vais rester comme ça, tac, mais je vais me mettre en première. Alors, si on peut ah, mais t'es en train de couper comme un bourrin? Ouais, je suis en train d'essayer du coup avec le BF-130, je suis en train de tester ses limites. Parce que effectivement, le terrain est quand même plutôt sec. Hein. Comme tu l'as si bien dénoté. Bon, le 537 passerait tout seul. Hein. Lui, il a un peu plus de mal. On va réduire légèrement ça. Oui, voilà, on va se mettre comme ça. Ah non. Bon, on va se mettre comme ça du coup. Sinon, on avance juste pas du tout. Perso, je vais pas m'engager dans le chemin de boue avec mon camion et ma citerne pleine. Tu me diras que en vrai, tu passes, hein. Et mec, BF-130, là, je suis en train de passer. Hein. Je passe pas avec 4200. Avec ma grosse remorque de garage et le BF-130, je passe. Tu passes avec ton oui, camion. Non, hein. Mais... non, je passe pas avec la grosse remorque. Non, non. Non, non. Pour ah si, mais c'est de la terre, c'est que de la terre sèche en fait. Sauf sur les extrémités où t'as de la boue. Et même si tu t'enfonces dedans, t'as des arbres partout. J'ai pas encore utilisé un seul arbre. En vrai, ça se fait tout seul. Ouais, sans déconner. Ouais, on parle d'un camion américain. Je te rappelle que la dernière fois qu'on a touché de la boue, on a coincé les camions. Donc... Là, j'ai creusé. Là. Là, j'ai fait la boulette. Là. Ouais, j'aurais pas dû. Là, j'aurais pas dû. T'es coincé? Non, non, je suis pas coincé, mais j'aurais pas dû. En fait, j'ai voulu basculer. Vu que je roulais, je me suis dit, oh, je vais basculer en 1+. Ouais, en 1+, je me suis mis à creuser. Ouais, Knarf, pas ton petit blague. Cette carte là tu peux pas la faire avec le A30 l'exploration de tous les points parce que tu dois traverser le lac pour atteindre un des points d'exploration. Ah non mais je te vois là avec ta citerne. Ouais. Donc c'est la route ça. Ouais. Et bah je l'ai fait en BF-130. J'espère que t'es dégoûté. Oui. Regarde. On peut voir le seum là. Attends, je remets un petit peu. Oh, mais il est bien, t'inquiète. Ouais, j'ai pas besoin. Non, mais en vrai, j'ai pas besoin d'essence un peu pour lui. Hein. Non, mais il est là, mon camion est là, autant j'attends le prochain. Moi. Voilà, là, attends, mais là, tu vois, moi qui parlais très mal de ce petit camion, là, je dois reconnaître qu'il m'en a mis plein la vue. Hein.
Là j'ai été impressionné hein. Mais du coup c'est parti. Les voitures américaines c'est de la merde. Oui. J'ai échoué. Encore ça va à peu près. C'est pas non plus c'est pas dingue. J'ai échoué le pick-up dans la sur la plage. Vraiment, j'ai touché la plage et je me suis enfoncé, je suis en première. En première avec le différentiel et tout allumé. Du coup, je vais sortir de la plage, je vais prendre de l'élan et je vais sauter dans la flotte. Garage quoi, c'est tellement free, tellement gratos. Wow, par contre, ah non, mais ça, c'est la Syrie. Je suis abruti, merde. Bon, c'est du bitume sur la Syrie aussi. Hein. Bon, pas ouf non plus le bitume, mais bon, c'est du bitume quoi. Ouais, il y a de l'eau ici, mais c'est pas ouf parce que c'est de l'eau qui coule. Ah. En même temps, de l'eau qui s'envole, faut s'inquiéter, je pense, sur la physique du jeu. Ce serait pas vraiment étonnant. Hein. Quand tu parles mal, la physique du jeu en vrai elle est quand même bonne. Hein. Regarde, ça y est, j'ai débloqué l'autre garage, j'ai débloqué l'autre point de vue. Quoi, nouveau garage ? Où on peut couper, regarde par là, le point de vue que je t'ai mis. Là, je vais regarder, hop. Le point de vue que tu m'as mis. Ouais. D'accord. Pour aller jusqu'à la collecte. Ah mais c'est que de la route mais tout le temps quoi. Mais oui elle est trop bien. Ah, cette c'est tellement méga tranquille. Mis à part les points de collecte qui font chier parce qu'ils sont tous vides. Ouais j'ai du rondin long, j'ai du rondin moyen. Tu vois j'ai pas de cours hein. Ouais elle fera le succès. Tu peux le mettre en quoi ton camion? Tu peux le mettre en moyen, sinon tu le fais en moyen en vrai hein. Je crois pas hein. Je crois pas. Je crois que je peux le mettre qu'en cours. Ouais mais on peut casser le jeu, on peut. En fait à chaque fois qu'on va sortir de la du matos, de là-bas, on va pouvoir comment ça s'appelle. Ça va se réinitialiser à chaque fois que le matos ne touche plus le stuff, ne touche plus le. Ne touche plus, ça passe. Du coup on est d'accord que j'ai pas besoin d'avoir de remorque à bois, on est d'accord que je fais tout avec mon 130 pour la première. Je peux déplacer un camion là-bas. Je sais pas du coup ce qu'il a, mais c'est peut-être que le plan du. Eh hey, j'ai des rondins courts, j'en ai 4, j'en ai 8. Ah rondins courts, parfait. Mais par contre ils sont tout au sud. C'est pas grave, on dira. Je sais ce que je vais faire. Du coup j'ai retrouvé foi dans ce véhicule. Il faut savoir qu'on a trash talké les sud depuis bien des minutes. Hein. Un peu ouais. Vite fait. Parce que... Ah j'ai plus que 50 litres. Eh, tu vas être dans l'embarras là monsieur. Parce que vu que t'as pas voulu bouger ton camion de carburant plus loin, mon 537 qui va tomber en rade sur le raccourci. J'ai l'impression. Tu veux que j'y aille avec? Ou tu penses que ça va passer? Bah pour l'instant en tant que je roule, je roule. J'espère me bloquer pas trop loin de la route. Il me reste 1 minute 30 de carburant en gros. Je te vois, t'es juste là, attends j'arrive. Non mais pour l'instant bouge pas, tant que je peux rouler, me jette pas tant que je peux rouler. Là tu me gênes en fait. Tu sais c'est comme ça que tu surconsommes du carburant, c'est que tu empêches pas mon véhicule de se lancer. Et en fait je vais pouvoir t'atteindre, tout va bien se passer. Voilà, bah, parfait, superbe. Magnifique monsieur. En fait ça s'est très bien passé. T'as bien fait d'exploiter ce raccourci avec mes deux câbles. Dans les deux cas, c'était une excellente idée. Merci beaucoup. De rien. Alors, faire la balade. Alors, ça secoue un peu. Hein. Alors, je pense que quand t'es conducteur de ce camion, 20 ans après, t'as plus de tour. Bon, et si t'es russe, t'as de sirop de forme. Oui, comme tout vous, c'est à bitch. Oh mon dieu, les Syries du fond, c'est la merde. Les trucs tout en bas, c'est la merde.
t'appelles, c'est la merde. C'est de la boue, par contre. Les kiosques, en bas. Après, au tout premier garage, c'est que de la boue. C'est pas grave, le 537, il passe dans la boue. Ouais. Eh oui. Ah, c'était de la boue, au début. Le défi stipule bien que l'on doit décharger avec le B-130. Hein. Ouais. On doit livrer à la Syrie. Mais oui. Il ne parle pas du fait qu'on puisse faire le trajet avec un autre camion à la place. Et non. Il est avec une rondeur qui appartient à quelqu'un d'autre. Voilà. Ou transférer le bois devant la Syrie dans le camion. C'est vrai aussi. C'est vrai que si t'as une pince, l'autre technique aussi, c'est si t'arrives à pincer 4 troncs, c'est de maintenir 4 troncs pincés jusqu'à la Syrie. Hein. Tu peux pas passer 4 troncs, par contre le camion que j'ai a une remorque qui peut posséder les 4 troncs et qui a une pince. Donc je vais aller chercher les rondins parce que c'est un peu chiant là. Ouais, mais attention que les rondins glitchent pas à travers ton truc, tout le temps, tu vois. Non, c'est bon. En vrai, si je les sors de là où ils sont, les rondins, parce que c'est vraiment la merde là où c'est. Je vais pas te mentir, je suis dans le marais. Métal! Désolé, je te croyais pas, parce que ça métallise. Hein. T'inquiète, moi j'ai pas. Ah, mais sinon, t'embête-toi pas, hein, moi je te dis, hein, BF, mon D537, je lui cale ça. La petite remorque à bois simple, classique. Derrière. Ouais. Tranquillou. Non mais c'est pour le bois court, t'as besoin de bois court en fait. Bah oui. Je mets une petite remorque à bois court derrière mon 537. Et mais est-ce que t'es sûr que les attaches sont les mêmes? Bah normalement sur tous les camions, ouais. Enfin, on peut faire le test, hein. Fais le test avant de dire quoi que ce soit et on verra. C'est pas contre toi, mais si tu peux pas le poser, ça sert autant que je le transfère. Mais ok, j'ai compris, hein. je vais me faire foutre, ok. Cordialement, ah, connard. Je vais essayer ça. Détacher la remorque. Oh là, blablabla. Hop là, hop là. Là, je crois que c'est un peu trop. Pour droite. En vrai, j'adore ce jeu, mais c'est un peu trop chiant, je vous sais. De toute façon, je peux tricher déjà. Déjà, je peux tricher. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment ça? Je m'explique. En fait, je peux déjà dans tous les cas tirer une remorque avec un treuil. Non mais ça compte pas, si elle est pas attachée ça comptera pas. Ouais. Mais par contre j'arrive pas à voir c'est quoi leur histoire. Faut que je recule un peu plus. Ah mais non, ou alors je suis trop près, au choix. Ah c'est ça, j'étais peut-être un peu trop près. La 3D elle est pas ouf hein. Ouais, des fois c'est un peu compliqué, donc là il faudrait que je me resserre. Ok. J'en ai marre, j'ai un tronc d'arbre qui me troll. Là, que me dit-il? Il me dit que je suis mal branlé. C'est quoi le... Alors, à part que je galère à récupérer la remorque, mais sinon, le jeu m'a pas l'air de m'interdire de récupérer la remorque. Hein. C'est vrai? Ouais. Juste que je galère à me l'attacher, mais... Ah, donc c'est juste que je suis trop près, en fait. Point barre.
Bah voilà. Ouais. J'ai juste galéré pendant 3 plombes, mais c'est bon. J'ai piqué une remorque. Nice. Tu peux transférer les remorques. Ouais. Bon, on est rien que c'est la win. On a gagné. C'est la win. Merci, c'était tout pour nous. Maintenant, on se retrouve en 5h. Quand on aura bloqué 14 véhicules. Voilà. Bon visionnage à tous. Maintenant, c'est le tryhard. C'est le tryhard absolu. Est-ce qu'on peut juste enlever l'attelage de remorque? À moins qu'il y ait un autre garage à débloquer, mais sinon. Je crois pas. Hein. Ah, c'est pas, c'est toi le mec qui se balade, hein, moi je sais pas. Ok, c'est bon, j'ai ça. Je vais juste récupérer mon 537. Je vais me galérer pendant 8 plombes à récupérer ma remorque. C'est parti. Non, attachant une autre. Attachant une autre. Triche, attachant une autre. Tu peux faire spawn des remorques à l'infini dans le jeu. Attachant une autre direct. Ah non, mais ça. Oui, bon, enfin, bon, non, je vais récupérer la mienne parce qu'elle est au milieu du garage, elle va faire chier tout le monde. Ah, va te faire chier, mais tu peux la pousser, elle existe pas. Ah si, si, elle existe hein, chez moi. Non, mais je peux l'enlever. Ah, bon, tu peux mettre un véhicule dedans et ça va la faire disparaître. T'es sérieux? Ouais. Alors, ton temps, tu triches? Non. De toute façon, je l'ai rattaché très facilement. J'ai l'impression que quand c'est ta remorque, adapté à ton camion, il est un peu plus facile à attraper. Après, c'est peut-être juste une illusion d'optique, mais. C'est peut-être que tu étais mieux placé aussi. Et est-ce que tu veux que j'envoie un fort tout claqué explorer le dernier point de vue? Je veux bien, parce qu'il n'est pas accessible à mon 4x4 qui est, si tu remarques bien, sur un îlot et maintenant définitivement bloqué puisqu'il n'y a pas d'arbre pour me tirer en dehors de la flotte. Ah, c'est intéressant ce que tu nous racontes. Dire que t'as perdu un véhicule. Est-ce que tu viens de dire aux gens que tu viens de rallonger le temps de la vidéo, le temps qu'on sauve tous tes camions? Non, celui-là on le sauve pas. Si, si, on le sauve. Ah non. Moi, je vais envoyer, crois-moi bien, deux fortes pleines vitesses là-dedans. On aura trois véhicules à sauver. 3 heures de plus. Je pense que c'est à peu près ça, non? Oh, ce marais, c'est l'enfer. Non, par contre, je confirme. Hein. Là, je suis dans la boue avec de l'eau et tout, avec le fort. Par contre, je suis mieux que sur route. Hein. Et je déconne pas. Hein. Je déconne même. Hop là. Et je déconne même pas. Hein. C'est vraiment. Oui, c'est vrai. Je voulais juste voir si je pouvais monter par là. Normalement, il y a une glissière. Hein. C'est pas par là. Hein. Ça. En même temps, je pourrais mettre mes phares. Ok. J'ai mis les phares. Oh là, par contre, la taille des rochers. Oh, la taille des rochers. Oh, la taille des rochers. C'est là que je suis presque content d'avoir le gros camion de dépannage à côté de moi. Parce que j'ai coincé ma grue dans la boue à cause de ce marais de merde. Le marais est tellement pourri. Ok. Est-ce qu'il y a un chemin d'accès à ce point de vue qui aurait été observé ou bien observable? Je vais avancer un peu, je pense que on va découvrir des choses intéressantes. T'as un petit chemin qui mène à... Là, à ta gauche. À ma gauche, là? Non, pas du tout. Ouais, c'est à gauche, t'es censé avoir un petit chemin. Ou peut-être plutôt que tu l'as peut-être passé. Regarde, t'as un chemin normalement debout sur ta gauche. Je n'y suis pas allé tout à l'heure parce que j'avais pas la foi. Je vois pas pour l'instant. Et vas-y, je vais faire un petit tour de... Ah oui, je le vois. Excellent. On va pouvoir retourner dans le milieu naturel du Ford. La boue. La boue. La route, ah. Non. La boue, oui. À condition qu'il n'y ait pas 40 cm de boue. Et encore, hein. Je te jure, hein, je suis passé au milieu avec les cailloux et tout, Osef, hein. J'enlève mon différentiel, là je suis en plus, je roule, mais tranquille, hein.
roule d'ailleurs un peu trop comme un Texan. Hein. Là, normalement, mon conducteur, il s'est explosé les dents sur le volant deux fois. Ou trois fois, je sais pas. Non, t'es Texan, t'as des sièges en ressort. Ah oui. T'as des trucs. Peut-être que le Texan, elle va avoir mal au cul, on sait pas. Hein. Peut-être que le Texan est aussi... Peut-être que le Texan est Texan, en fait. Hein. Je sais pas. Qui t'es pour juger. Exactement, tu n'aimes pas avoir mal. Parce que la Gay Pride a été inventée par les Texans. Oula, je pense que je vais faire beaucoup d'ennemis au Texas. Heureusement, ils ne bitent pas en mode français, puisqu'ils détestent les français, évidemment. Parce qu'ils sont Texans, évidemment. Évidemment. Vive la Texanie. Bon, c'est pas ça qu'on dit. Je suis pas sûr. Je crois que tu seras encore plus d'ennemis au Texas. Et eh bah ben, en tout cas, tranquille hein. Ah, je te cache pas que tranquille hein. Le Ford dans la Pampa, tranquille hein. Mais vraiment hein, il s'en va les couilles. Ça monte, ça descend, pff, il s'en pète hein. Mais complet hein. Ah, mais c'est incroyable. Par contre, j'ai retouché une route là. Ah, j'ai dû rater un virage. J'ai dû rater un virage. Faut que je me rende au point de vue là, j'ai dû rater un truc. T'es tellement concentré à regarder la route tout droit que tu regardes pas les petits endroits. Ouais, non mais c'est surtout que la route par laquelle je suis passé en fait, t'as intérêt d'être un fort pour passer hein, parce que sinon ça saute hein. Ça ding, boing, ding, boing, et gauche, droite hein, y'a pas une ligne droite hein. Ok, là normalement je devrais pas être trop loin si théoriquement c'est tout droit genre. Ah par contre qu'est-ce que je me colle comme dégâts. C'est beau, t'as vu? Ah bah là, par contre, en chemin dégueulasse, ils ont mis des troncs partout. Hein. Moi, je te ferais bien passer un 537 là-dedans, ça les calmerait tous. On sait être là. Moi, tu fais par là. Et on va grimper par là. Pour... tu grimpes ça, non? Ouais, peut-être pas non plus. Hein. Je vais peut-être pas non plus croire que tu roules non plus sur des troncs d'arbres. Yes, yes, on y arrive. Yes, on y arrive. Ah, mais il y a la route qui mène. Putain, j'ai raté ça. Pas grave, hein. Là, du coup, le fort passe partout. Il prend un peu des dégâts. Ah, moteur calé. Hop, hop, hop. Le petit roulé-boulé. Oh, j'ai même pas fait mon 360 noscope. Je suis dégoûté. C'est vrai? Ouais. Du coup, t'es retourné? Ouais, je suis retourné. Mais globalement, j'ai éclairé le chemin pour y aller. Donc, si tu passes par là, tu me remets droit, l'occasion. Voilà. Tranquillement, quoi. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce qu'on va en termes de scierie avec mes deux camions à la con. T'inquiète, j'arrive pour te transférer le bois court. Ah bon, t'es chargé en bois là? Ah bah moi là j'ai un camion qui va avoir chargement de deux fois bois courant. Moi j'arrive là, hein, j'ai pas le temps. Ah ouais. Pendant que tu faisais ton exploration, moi je travaillais. Voir ça non? T'es vide. Là. Non mais je sais que je suis vide. Je vais chercher. Je te vois, je te flic moi, je sais hein. On peut pas prendre. Eh bah viens pour voir. Monsieur. Viens voir. T'as vu ce Ford bus extrême qui te poursuit? Oui, je détache ma remorque ici. Regarde ce Ford qui fait des petits tours sur lui-même comme ça. Genre, oh, tranquille la vie, t'as vu ça? Wouhou! Il s'en bat les couilles, frère, il s'en bat les couilles! C'est son quartier là! Là, il est dans son quartier là, il est trop content le Ford! Ouais, je te poursuis. Je le rattrape, tiens, je mets mon boîte auto. Bah oui, je mets mon boîte auto en plus, c'est même pas une blague hein. Ouais, je suis en boîte auto là. Oui, oui, alors, mais attends, c'est tu vas faire quoi? Baisse les yeux. Ah, mais je suis en boîte auto aussi, hein, t'inquiète. Ah, je cherchais de me mettre en plus. Ah non! Un arbre, mon mortel ennemi. Il a été vaincu. C'est vraiment ça le quartier là? Ouais. Salut. En plus, il y a un Ford à retourner. Peut-être ton camion aussi à sauver. Oh mon barbu bûcheron quoi. Incroyable. Oh, par contre je repars en 1 plus direct. Oh, je passais de marche arrière à l'avant, 1 plus direct. Oh, y a un petit côté jouissif. Hein. Y a un petit côté rigolo. Il est marrant ce mini camion.
J'aurais peut-être dû mettre la grue sur celui-là, mais c'est pas grave. Bon, allons-y. Est-ce que t'as un camion à toi qui est bloqué, mais pas trop loin, genre du garage? J'ai pas de camion bloqué. Si, t'en as un. Non. J'ai un. Bah, il est sur une île. Faut que t'ailles au milieu de la carte sur une île à peu près. Au milieu de la carte sur une île. Oui, attends, je le prends. Regarde, je suis là. Ah, ok. Je me mets un point sur toi. Comme ça, je sais. J'essaye de passer là-bas. Bah, t'es bloqué ou t'es pas bloqué? Faut savoir. Hein. Bah, en fait, je suis bloqué. Mais sur l'île, je peux pas la traverser la flotte. Bah, d'accord. Je peux pas retraverser la flotte. Ok, ok. Il arrive. Hein. Il prend une route, en fait, prend à gauche. Okay. J'ai pu traverser la première fois en passant. J'ai pu traverser la première fois en passant par un arbre. Sauf que le truc, c'est qu'il y avait une petite île. Sauf que entre la petite île et la grosse île, il y avait une espèce de relation fusionnelle qui fait que maintenant il y a un creux de divorce entre eux. Sauf que ce creux de divorce m'a bloqué la première fois. Il y avait un arbre sur ma ligne d'observation. Alors, l'arbre, il y a métaphore pour dire la pique du poisson. Non, j'essaie de donner une image à ce que tu racontes à tout le monde. Alors, expliquer la psychanalyse de Freud selon Antonin. Voilà, du 9-1, bien sûr. Tu continues ton explication, tu disais. Pourquoi tu Qu'est-ce que je fous là-dedans? C'est normal. Vas-y, je te disais donc. Que j'étais Keblo, et que j'étais Keblo, et qu'il y avait un arbre au début pour m'aider, mais que cet arbre a décidé de rompre avec moi. Et que maintenant c'est compliqué sans l'arbre pour revenir. Ouais, fallait pas s'engueuler avec ton arbre. Hein. Ça aurait peut-être pas passé comme ça, tu sais, un bouquet de fleurs, de temps en temps, c'est des problèmes avec ces arbres. Et ça fort de l'ex, là. Le Ford Racé arrive. Tu me dis quand t'es à côté. Bon, je suis à côté, pas tout de suite, puisque j'ai pas encore traversé le pont. Ah oui, je vois de quelle route de mer tu me parles, de ça saute partout, de tape des cailloux, c'est très rigolo. Ouais, effectivement, ouais. Enfin, j'ai pas encore tapé de cailloux, mais alors. Oh, c'est vomitif sur 100. Hein. Ouh. Avec le jeu qui veut pas charger les textures, c'est le plaisir ça. Ah si, il doit m'afficher petit à petit les déformations que toi t'as fait dedans. Ah ok, ouais. Ah ok. Ici ce qu'il veut charger. Et 5 litres hein, là-dedans. Tranquille. Oui, ça, je te dis, ça change comme rien. Ah, j'ai de nouveaux rondins disponibles et ce sont des moyens. J'ai plus de cours, désolé. Ok. C'est pas grave, après t'en as combien? J'ai deux remorques de petits. C'est pas assez. Oui. Mais si tu mets une remorque de moyen sur ton camion, peut-être la coucher à l'eau. C'est possible. On peut essayer. À essayer, puisque t'as dit que les remorques se transféraient. Peut-être qu'on peut, si on casse. Ah ouais, ouais, je pense qu'on peut peut-être. Et puis peut-être qu'en déplaçant, peut-être qu'en remplaçant la seconde série de ma tour, on trouvera des routes des petits aussi. Ah, il était par là normalement ton fort de. C'était par ici que t'étais passé. Ouais, non, enfin pas dans l'eau. Non, je vais pas dans l'eau, je me mets juste là pour venir te tracter. Mais il y a un chemin hein. Non, il y a un immense creux en fait là. Non, mais il y a un chemin là. Il y a un chemin? Ouais, j'y suis là, tu vois. On arrive sur ton niveau. La texture de l'eau n'est pas. Pour moi, c'est un creux. Ah non, tu vois, il y a un peu d'herbe dedans. Je vois pas l'herbe dedans. Ah, il y a un peu d'herbe dedans. Bon, par contre, là, je suis en train de m'amuser à m'enfoncer pour contrer le truc, mais tiens-moi, s'il te plaît, ma grosse. Attends, ouais. J'ai mon frein à main, au secours! Attends, je passe après. Yes, super, on a bloqué deux Ford. Attends, je creuse. Attends, là, il y a moyen de passer ici. Hein. Il y a un moyen. Il y a un moyen. Ah oui. Comme qui dirait l'autre, suivez-moi, je connais un passage. Oh là, me suis pas tout de suite. Hein. Parce que il y a d'abord un sapin. Mais qu'est-ce que tu fous, gros? Mais tu l'as déjà le 360 Noscope, arrête le succès là. Qu'est-ce que t'as foutu, putain. Regarde, j'ai tourné ma caméra 3 secondes, il s'est foutu à l'envers.
pas fait exprès. Un peu quand même, hein. Mais non, j'étais en train de me débloquer de la boue. Et il a fallu 3 secondes pour que ça parte en couille. Sous forme de l'extrême. As-tu vu ma belle quenouille se forme de l'extrême? Ouais. Est-ce qu'on part sur la retournade? Hop. Fort de l'extrême. Eh ben moi le mien il est bloqué. Je vais me contenter de te tirer en étant à l'arrêt avec le frein. Avance un peu là. Mais j'avance. Ah, c'est tout ce que t'as là. Vraiment. J'essaie de t'avancer en même temps que moi, mais là c'est un peu à s'en. Attrape l'arbre devant au pire. Attrape l'arbre. Je vais te tirer de là une bonne fois pour toutes, puis je vais te relâcher. T'es bien là? T'avances plus là? Stop, ouais. Voilà. Je te relâche. Parce que moi là, du coup, je suis grave embourbé. Ça va être compliqué. Allez, je me désembourbe, je me désembourbe. Gauche, droite. On creuse des sillons. Voilà, merci, ça pousse un peu derrière. On se sent un peu aidé. On se sent un peu puni, ça dépend. Ah, mais le différentiel, il s'en. Différentiel. Dès que tu vas toucher le sable, tu vas t'enfoncer. Hein, t'inquiète. Ok, je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu vas l'arrêt. Dis l'avant qui s'est enfoncé depuis 15 bords. Attrape l'arbre qui est à côté. Mets-toi en travers. Je te tire par le côté comme un gros sac. Yes! Si tu veux que je te fasse mon. Oh là là, et maintenant on part à 3 forts débloquer le dernier point de vue, c'est parti! Déjà vous! Let's go, let's go, let's go! Est-ce qu'il te faut un peu de carburant et tout ou pas? Ah, attends, j'ai mis les marches arrière, regarde. Non, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, je suis à 59. Ok, on est parti, on est parti. En boîte au tout là-dedans, mon gars? Bah ouais. Bah yes, c'est ce que j'ai fait. Je suis en 5ème là. Toi aussi? Bah. Alors je sais pas par où on va, mais dans le doute je vais vers l'est. Oh là, ça y est, c'est fini! Là, ça y est, on est fini, on est sur la route, c'est la merde! Là, c'est de l'autre côté qu'il faut aller! Ah merde! Ah non, c'est bon, t'es du bon côté! Go, go, go! Mais t'as fait ça juste pour me rattraper, salaud! Mais non, parce que j'accélérais même pas! Ouais, c'est ça, c'est pour ça que maintenant t'es juste derrière moi. Hein. Ça glisse, hein. Bon, ça glisse. J'ai tapé le rebord de sécurité. J'ai le moteur qui cale. T'as de quoi te réparer ou pas? Bah, il me dit sûr. Ça, il raconte des chars en fait. Il est devant moi, il essaye de passer devant. Ouais, le salaud, plus jamais je te croirais. Ça s'appelle une carapace du premier, ça, dans le milieu, non? C'est pas ça? Si, c'est la carapace bleue Mario là. Putain, j'ai des moments où t'as des grosses accélérations, c'est infâme. Ah, il s'est coincé dans la boue et je lui ai tapé dedans. Ah, c'était pas plus stable. Je suis un peu de boue, ça donne de la stabilité. Ça, je te vois partir sur le côté. Ouais, j'essaie d'avoir un peu de boue pour gagner de la stabilité. T'as essayé de me passer devant, hein? Moi je t'ai pas vu, hein? Ah non, la boue! Non! Arrête de faire genre, la boue c'est la vie, depuis tout à l'heure je la teste et c'est trop bien. Non, mais là c'était de la vraie boue. Ouh! Oh! Oh 360 de trop! Oh là là, avec le succès en même temps, c'est beau, hein. T'as pris des dégâts? Ah bah oui, la max, hein. Bien. Non mais c'est bon, hein, je suis full stuffé, donc c'est bon.
Par contre, quand est-ce qu'on tourne un jour? Parce que normalement, on est censé tourner pour trouver un collègue dans la nature. Salut! À l'année prochaine! Bon, je suis parti. Hein. Il est où ton camion? Ah bah. Et t'es parti. J'ai croisé. C'est monsieur Rondin. Ah oui, putain, ok, d'accord, t'as croisé. Ok, d'accord, t'es sur. Ok, bah je me mets dans l'autre Ford. Alors. Ah non, mais moi ça roule plus, hein. Comment ça? Ah, mais moi j'ai. J'ai pris une bosse, j'ai pris 300 points de dégâts. Tu veux dire que j'arrive encore avec mon même Ford pour une intervention de l'extrême? C'est parti. Guide-moi, hein, t'es le GPS, hein. Je veux pas ralentir, tu sais, c'est compliqué. Sinon, c'est okay. Plus une intervention de l'extrême. La rambarde de sécurité, la rambarde de sécurité. Oh, on va passer par-dessus la troisième corde. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok. Là, c'est à gauche. Bon, c'est à gauche, ok, ok. Attends, je vois la vie à gauche. Ok, je suis dedans. Je te vois. Tu vois, y'a un tronc d'arbre là. Bien vu, ma gueule. Ah, je suis sur un caillou moi. Bah alors, tu vois, regarde, t'es passé. Le tronc d'arbre. Ah, bah, non, moi mais aussi, j'ai plus de moteur. Putain, j'ai. Oh, le tronc d'arbre, ce qui m'a mis. Sérieux? Ouais, j'ai croisé un petit tronc d'arbre du coup. Merci. Il m'a mis un peu cher. Ah, c'est tout ce qui me reste, hein, par contre. Hein. Mais j'ai encore du. Moi, j'ai encore mes 20 litres. Non, mais je parle pas de litres là, je vais te donner de la réparation. Ah. C'est tout ce qui me reste. Ah oui. Par contre, si tu te mets un plus là, ça passe tout seul. Faut juste enlever le différentiel. Ah, moi je suis en automatique, hein. Automatique, attention, il y a tronc d'arbre devant. Et alors là, il y a petite puterie. Et il est à gauche, ton Ford. Hein. Ouais, ouais, je sais. C'est juste parce que c'est compliqué de tourner à cet endroit-là. Et en même temps, je vais faire le point de vue. Je vais d'abord faire d'ailleurs le point de vue. Comme ça, on va tout débloquer. Et on aura un petit QG spécial pour les Ford. C'est pas ça dans le projet, finalement. Attends, on a pas 100% à 4. On a pas fait l'exploit. Non, il manque encore un point de vue à faire. Pardon? C'est possible ça? Ouais, de l'autre côté de la carte. Et ben, ok. De l'autre côté de la carte. Ouais. On a pas un. Ah oui! On n'a pas un autre Ford. Non. Bon, faut sortir tous les Ford là. Bon bah, je vais en prendre un pour tracter l'autre. Hein. Moi, je vais pas te mentir que je vais laisser le gars là où il est. Hein. Tu oses faire ça? Vraiment comme ça? Après tout ce fun en Ford? T'as vraiment oui, parce que en fait, moi je vais peut-être avancer les objectifs de mission. Parce que peut-être que YouTube ne veut pas passer encore 5 heures devant une vidéo. Pardon? J'adore ça. Non, tu adores ça. Ah, c'est possible aussi. Si je me suis rempli des litres, ok. Ouf. Ah ouais, par contre, peut-être que les gens ont une astuce pour qu'on puisse voir les véhicules des autres aussi. Oui. Alors ça, putain, ouais, par contre, si vous avez ça. Ah ouais, on vous aime. Parce que nous, on en a marre. Fallait, de jamais et fallait dire ça au début, mec. Fallait pas dire ça à cette heure-là. Il y a déjà plus personne. Là. Mets ça dans la description, jamais de la vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait que je commence à m'intéresser à mes propres vidéos. Jamais de la vie. Si je le fais. Pas de soucis. Faut que j'aille à droite.
Et maintenant, je vais commencer à ramener les rondins de bois pour l'une des scieries, les rondins courts. Ok. Normalement, si j'arrive à ressortir de l'endroit où je suis et à rattacher ma remorque. Si jamais tu passes à côté de mon autre fort près du point d'observation, je peux te mettre un peu de carburant, si jamais. Ok, non, normalement on est bon, hein. Là je place juste mes deux forts, bah je mets des points de... Je fais le plein d'ailleurs dans chacun de mes Ford. Et normalement on va être... Je sais pas si je peux remplir tes supports à carburant moi. Comment ça? Moi, est-ce que avec mon camion ravitailleur, je peux remplir tes supports à toi de carburant? Ah je pense pas hein. Je pense que tu peux faire que le plein des véhicules normaux. Parce que je crois que je suis déjà passé à côté de toi avec la remorque à 4 mains qui peut transporter de l'essence un petit peu. Et je crois pas que t'es plus. Je sais pas, j'ai jamais essayé non plus. Alors, le dernier point de vue, il est là. Et je sais pas comment on peut l'atteindre. C'est parti. Bon, si t'es intéressant, bien au milieu de la route, car respect de l'autorité. Alors, je pense que le point de vue c'est là-haut. Ouais, c'est carrément là-haut. Viens prendre de l'essence! Mais j'ai pas besoin, je suis plein, j'ai 74 litres sur 80. J'ai dit viens prendre de l'essence! Jamais, je refuse. Continue à rester au milieu de la rue, tel un. Un véhicule fantôme. Je t'ai frappé. Je suis plus lourd que toi. Peut-être parce que je suis trop lourd, je ne peux pas te rattraper. Peut-être parce que je suis trop rapide aussi. Bah attention, hein, je... Hop là, je crois que c'est là. Oh oui, ça ressemble à ça. Allez, c'est parti. Oh, tu es trop fort, même. C'était ça, je viendrais de prendre 12 litres d'essence en fait. Je suis occupé à transférer le bois là. Il est à quelle série ton camion là, clairement? Ok, les deux camions sont au garage hein. Ils ont toujours pas bougé de là puisque je suis venu faire des points d'observation, des trucs comme ça. Ouh, ils ont jamais bougé hein. Succès. Peut-être parce qu'il n'y en a pas sur cette carte. Mais il y en a
de merde. Si c'est le cas, mais map de merde. Hein. Je vais descendre par là un peu ou pas? Ou peut-être que tu l'as déjà fait. Moi j'ai pas eu ce succès non plus. Donc c'est pour ça que je suis donné. Alors il nous manque un point de vue qu'on n'a pas vu. Non, là par contre on les a tous fait. Ah ouais. Bah peut-être parce qu'on n'a pas fini la carte aussi. Ouais, c'est peut-être à la fin de la carte. Oh, on verra bien. Ah, t'es toujours au même endroit avec ton camion gasoil ou pas? Non, j'ai avancé, moi je suis dans le virage. Ah bah super. Hein. Bon, bah du coup je te prendrai jamais de l'essence. Hein. Dommage, hein, il me manquait 14 litres. Je crois que c'est à peu près ce que t'as brûlé quand t'as démarré, non? En vrai, non. En vrai, j'ai par contre, mon D537, il y a moyen qu'on... quand il a passé la première et qu'il a démarré, c'est à peu près ce qu'il a dû bouffer. Alors qu'avec l'autre, j'ai fait le tour de la map, quoi. J'ai eu de la chance de d'exploser. C'est avec le Ford, avec 80 litres, tu fais 3 fois le tour de la map. Avec le D500, tu sors du garage, c'est pas plus rien. En sachant que les Ford sont chargés à bloc, hein. Ils sont chargés de tout ce qui peuvent être chargés sauf la remorque. Sinon ils ont la max. Hein. Oh putain, j'ai l'impression de jouer à Ford de Drift Simulator. Simulator de drift, hein. C'est ouf, hein. Et je pense qu'en vrai on devrait charger les camions américains sur la route. Parce que conduire en camion russe sur la route, c'est infâme. Ça dépend du camion russe, hein. Bah je suis avec le 131 et c'est compliqué. Le 130 ça va, et le 537, bon bah c'est le 537, donc ça ne change rien à sa vie. À aucun moment. Quoi? Comment ça de la route? C'est une insulte. Et donc tu me demandais à mon 537 s'il pouvait prendre une... Non, ton 130. Moyenne. Ton 130, non, ouais, ton 137, voir s'il peut prendre une remorque moyenne si ton 130 après derrière. Non, il peut pas lui, ça c'est sûr. Ah bah dans ce cas-là, c'est mort. Par contre, je peux en prendre une moyenne avec mon 537. Américain. Ton 537. Ouais. Ce qui longue, fait que... Tu peux en prendre une longue ou pas? Ah oui, non, c'est 8 points, ouais, donc ça change rien. Ça change rien. Ça change rien, à part si ça, toi, ça t'arrange en termes de chargement de bois. Sinon, ouais, on s'en fout, je crois. On s'en fout, c'est juste que je veux dégager le bois pour en faire respawn des petits, pour le succès. Mais t'as des moyens ou pas? Oui, j'ai des moyens. Je peux toujours t'amener mon véhicule avec sa remorque moyenne, du coup. Ouais, mais c'est de l'autre côté de la carte, donc c'est pas la peine. Prends des longs et va au rondin qui est à côté de... Je peux pas prendre des longs. J'ai pas de véhicule de chargement. T'as encore une fois la seule chargeuse du groupe. Ouais, mais c'est pas grave. Tu peux prendre des longs, non? Non. Alors une remorque déjà, pour les longs, parce que moi je peux les charger. Alors petit 1, je peux pas charger de longs sur mes véhicules, aucun d'entre eux. T'es sérieux? Aucun. Les Américains, ils peuvent, hein. Eh ben oui, mais j'ai pas de camion américain. Si, t'as un camion américain, mec. Ah, un LTL 900. Ah bah oui, le camion de répa. Va voir, va le passer au garage, regarde si tu peux avoir du long et normalement tu dois pouvoir. Je vais passer à côté de ton camion essence, est-ce que ça te va? Est-ce que tu pourras mettre un petit coup de sauce? Ouais, est-ce que tu pourras m'aider par contre? Parce que j'ai beaucoup de mal à avancer. Ouais, bien sûr. Sur la route avec, parce qu'en fait je tire deux camions avec celui qui est chargé.
je tire ma grue parce que je déplace ma grue pour pouvoir transférer les camions sur les rondins sur le 130. Et qu'est-ce que je dois te tirer? Ah non, mais je pourrais pas tirer ma grue après. Je crois pas, non. Ah bah vas-y, laisse tomber, je vais continuer comme ça. Il est où le carburant là? Un petit peu plus loin là. Attends, il est plus loin dans le virage. Non, je déconne, je m'en fous. Continue à rouler avec tes trucs. En fait, je m'en fous, j'ai largement, mais large pour me rendre jusqu'à la station. T'as vu la consommation de ton truc? J'avoue, que dalle. Et pourquoi tu veux que je mette du long, c'est ça, sur celui-là, sur... Parce que comme ça, ça... Ah oui, ça, ça me permet de libérer un slot. Ouais. Ouais, ok, ça marche. C'est les... Oh. Ah, chargé. Ouais, t'as eu une chute de co mortelle, là, justement. Peut-être moi. Ah, merde. Bah moi, c'est... je vois que c'est toi qui lag. Oui, moi, je t'ai vu laguer. Je peux pas te dire... Okay. En tous les cas, faut que je refasse le plein de mes deux camions. Donc... Ciao. Ah oui, effectivement, oui. Tu sais à combien de litres il était, mon c'est ma grue? 5 litres. Ah. C'est peut-être pour ça qu'elle avançait plus. Ouais. Ah, c'est mieux. Ah, ça roule. Ça avance. Par contre, je sais pas s'il a pris des gars. En fait, il n'y a pas de checkpoint sur cette carte, c'est re... ça vous refait aussi. Ouais, tout à fait. Oui, monsieur. T'es en train de bailler en même temps que toi. Par contre, je trouve que l'effet d'aspiration de l'air dans le moteur est un peu abusé. Donc je le mets juste en mode boilon. Ouais. Ah, il peut prendre du court et du moyen. C'est pas mal quand même, dis donc. C'est pas dégueulasse le camion. Bah, le truc, okay. C'est qu'il fait pas tout terrain du tout, donc. Ouais, mais à côté de ça, sinon, c'est quand même plutôt cool. Alors, d'un long, la méga citerne évidemment. Et il peut faire remorque ou plateau. Ah, c'est rigolo ça. Plateau, c'est quoi? Ah bah plateau, bah si tu peux monter des véhicules dessus. Alors deux petits, genre deux Ford ou des un peu plus gros. Genre j'aurais pu littéralement mettre mon BF-130 dessus à chaque fois. On a ici la vie. Voilà. La remorque utilitaire avec 4 points de garage, putain, et 1200 points de réparation. Ah, il transporte, hein, il rigole pas. Hein. Ouais. Lequel dont tu as besoin tout de suite? Du long. Et il faudrait que tu ailles... dans les points de collecte, dans le point de collecte qui est tout au fond, dans les plus hauts. Tu vois, t'as les points de collecte dans le marais là où j'étais. T'as les points de collecte qui sont au-dessus de la rivière. Sud ou nord-est en fait. Ceux qui sont à l'est. Okay. Quand tu mets au milieu de la carte, ils sont à l'est. Ouais, et c'est celui qui est tout au fond de la petite route. Pas celui qui est perdu au milieu de nulle part, mais celui qui est. Est-ce que c'est les points de collecte les plus proches du garage ou pas, putain? Oui, d'accord, pas, du, donc pas du premier. Non, pas sud-est, d'accord. Les autres. Donc, ceux qui sont à l'est. Okay. Ça marche. Donc, je pars de l'autre côté. Voilà, c'est la merde. Je suis pas forcément très très bien disposé. Voilà, on va pousser un peu tout le monde là, tous les camions.
moi tout ça. Je suis américain, vous savez, il me faut de la place pour vivre. C'est pour ça que j'ai détruit des pays sur de la liberté, des habitants pour de le pétrole. Voilà. Pour le pétrole de la liberté. Le plastique, bien sûr. Oh, mais sans pétrole, tu n'as pas de plastique. Oui, non, mais les Américains le savent pas. Ils sont Américains. Ah, oui, c'est vrai. Faut préciser. Les Américains pensent qu'il y aura toujours du pétrole à l'infini. C'est vrai que eux et l'écologie ça fait 412. Ouais, ils savent pas compter jusqu'à 412. Disons que ça fait plus de 1 quoi. Alors faut faire simple avec les Américains. Tu sais, quand ils savent pas où se trouve la France, quand ils savent même pas quelle est la capitale de la France, tu fais bon quand même pour les mecs à un moment donné. Bon, arrêtez, être méchant, mais. Bon, alors, t'achètes du Coco Chanel, tu sais pas où se trouve Paris sur une carte du monde, c'est quand même un peu embêtant. C'est un peu, t'as l'air vraiment glandu, quoi. C'est même pas histoire de dire, ouais, attends, la France c'est un grand pays, non, c'est juste histoire de dire, les mecs, vous achetez des trucs français, vous consommez certains produits français, vous savez pas où est la France, enfin voilà, c'est un peu dommage, quoi. Enfin voilà, après, c'est notre histoire, quoi. Faut peut-être te remettre en cause, quoi. Ouais, non, bon, faut pas trop déranger un Américain, tu sais, son cerveau est très occupé à consommer de la publicité après tout. Ouais, c'est pas comme si, c'est pas comme si la France avait dit, oui, maintenant vous pouvez être libre des États-Unis, on vous soutient. Ouais, non, visiblement non. Sinon, on a jamais dit ça. Hein. Non, ça, on leur a jamais vendu leur propre pays. Ah, ça, je crois que c'est quand même la plus grosse douille de l'univers, hein. Se faire vendre ses propres territoires. Encore hein, vendu à un prix dérisoire parce que, vu ce qu'a coûté la guerre à la France, parce qu'il fallait l'armée Lafayette hein, pour l'envoyer. Hein. Puis les troupes françaises elles sont données aussi pour empêcher les Anglais de prendre le territoire. Faut oublier. Hein. Là, comme ça on rigole, lalalala, mais. Ça, on parle des Américains qui sortent. Ouais, mais nous on vous a aidé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pardon ? Hein ? T'es venu avec ton dollar américain, c'est tout ce que t'as fait ? Te faire massacrer sur une plage et tout. Et on peut parler de tes banques qui ont donné de l'argent au Reich ? Parce que ce stade-là, vous avez aidé un peu tout le monde, je rappelle aussi. Ah, pour se parler du fait que 1000 Français ont réussi à reprendre une ville que les Américains pouvaient pas approcher. Hein ? On en reparle aussi de ça. Ah, excusez-moi, il va falloir que je mette Steam en mode foutez-moi la paix. Voilà. Qui c'est qui t'agresse ? Ah, quelqu'un qui me demandait si je t'en stream. Mais sa réponse maintenant, je suis en occupé. Je vais pas déranger. En reste non. Non, quelqu'un que tu, dont tu ignores l'existence. Ok, tant mieux, ça m'arrange. Et dont on se fout évidemment royalement, puisque là, on joue au camion. Eh, c'est là qu'il faut que je tourne. C'était peut-être même avant. Je sais pas c'était quoi la route la plus intéressante des deux. L'une des deux. Ah bah alors c'est vrai, il y a beaucoup de branches d'arbres en tout cas. Ouais, mais au moins t'auras peut-être un peu d'adhérence. Ouais, c'est pas faux. J'ai même carrément de l'adhérence. C'est même impressionnant d'avoir autant d'adhérence. Ah, c'est fini l'adhérence, c'était bien. Voilà, ça y est, je suis embourbé. C'est vrai ? Bah ouais. Tu te moques de moi ? Ouais. En fait, t'es en train de me dire qu'il faut. À bouger, mais ok. Hein. Donc, heureusement qu'il y a des arbres, quoi. Bah, disons que la terre elle était pas mal et que je suis en train de tout labourer. Ce qui fait que je vais revenir, je vais me planter dedans. Ça va être superbe. Et je suis avide. Hein. Et c'était donc la plus en. Celle qui est tout au fond. Oh, il faut vraiment toi. Que j'aille jusque là-bas. Ouais. Mais mec, j'y vais, mais j'y vais, là. N'est pas conçu pour le tout-terrain, gros. Arrête-toi ici, je vais te les chercher, je vais te les ramener. Ouais, il aurait même fallu que tu me les ramènes jusqu'à la route, crois-moi bien. Enfin, faudra que tu me tires en tout cas jusqu'à la route, hein. Juste bien. Ah oui, non, là... mais ça, y'a pas de soucis, attends. Ça, y'aura pas le choix. Hein. Et là, si tu vas ramener des longs en plus.
Ah non mais t'es sérieux là, faut vraiment que je prenne le treuil et tout. Non mais ça sert à rien que j'avance hein. En fait à part la bourreuse tout ce que je fais. Non mais je t'avance jusqu'au croisement au moins. Ah fais ce que tu veux. Mais je veux dire moi je me mets en première. Et je fais rien hein. Dès que j'avance je laboure la terre hein. Voilà un petit peu comme ça genre. Je me mets sur une petite première. Petite première, je vais mettre en première basse juste histoire de soulager un petit peu mes roues. Ouais, ouais tire pas comme un dingue hein, parce que là je suis juste en première basse, je suis vraiment tout doux. J'arrive, tu vois, à avancer tout seul, mais vraiment très doucement. Donc je vais pas non plus t'enterrer toi. Et toi t'es à fond. Je suis tout doucement aussi. Non, moi je me suis mis en tout doucement aussi. Ah, tu t'es mis en tout doux? Ok, parfait. On se maintient en un tranquille. Là un des petits vieux. Comme quoi hein, en bourrant ça finit par passer hein. C'est bon? T'es bien là? Ouais c'est pas mal ouais. Stop, ok, je me décroche, je vais chercher le rondin, je reviens. Ça marche hein. Prochaine débile. Je me casse. Je vais faire un coup fast. Il va même pas pouvoir partir tellement je vais partir vite. Il ne voit pas. Il ne peut pas me voir. Ah, t'es sérieux, il est trop tard. Je peux pas passer par là. Oh, je vais rester là. Très bien, il y a un peu plus de place. C'est pas mal là où je suis. Si vraiment tu veux venir me. Ah, mais t'as. Ouais mais t'as pensé qu'il fallait au moins que je puisse passer pour t'apporter les... Oui justement, il y a tout à côté qui est rasé à côté où tous les bois sont par terre. Donc en fait il okay. y a un petit côté espace dégagé. Si tu préfères. Eh bien moi je propose de couper les phares. Ce frein à main c'est déjà serré évidemment. Et on s'arrête un moteur. Et on kiffe avec notre bûcheron qui dort. Vraiment c'est extraordinaire le bûcheron qui dort. Bûcheron dormant, c'est impressionnant. Ça dort bien le bûcheron. Si les bûches sont... C'est le camionneur, hein. Enfin. Hein? C'est le camionneur qui dort bien. Le bûcheron ça dort pas. Le bûcheron ça coupe des arbres. Pourtant on a dit que ça sciait des troncs hein, quand ça dormait. Hein. Voilà. Ah ça va être extrêmement galère hein, de les ramener. Ah mais ça monsieur c'est toi qui vois, hein. C'est toi qui m'as demandé de me mettre dans cette mélasse, improbable, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je fais très exactement ce que tu m'as demandé. Hein. Je sais que au fond de toi t'es dégoûté. Bah je pensais que ce serait mieux le terrain ici mais au final c'est pire. Après, tu sais que s'ils sont trop compliqués à transporter, le plus simple pour toi, c'est aussi de les plaquer contre ton véhicule le plus possible, en les bloquant avec ta grue, et de rouler. Hein. Là, ils se baladeront moins. Hein. Si je les mets en travers entre ma roue de secours et ma cabine, il se passe quoi? C'est pas forcément une bonne idée. Parce que au mieux, il se passe rien. Au pire, tu prends des dégâts. Et au milieu, il y a, ça t'empêche de rouler correctement. Voilà. Ça c'est ce qui t'est proposé. C'est vraiment extrêmement intéressant comme gameplay. J'espère qu'on fera au moins 200 vues. Oh, c'est l'espoir. Nafang, tu veux savoir un truc sur la physique du jeu? Elle est trop bien. Si tu transportes deux rondins de bois dans la grue, ils ne comptent pas comme pesant sur ton camion. C'est pas trop bien, t'as vu? C'est vraiment... Les rondins longs, c'est un peu encombrant, mais par contre, ça pèse de rien. C'est bien connu, plus le bois est long finalement, plus il est léger.
ouais. sorte de principe théorique physique. Métaquantique. Théorie approuvée par Donald Trump, hein, ceci dit. ça sera mon bois mort, placé sous le signe de la haine des ricains. Voilà, c'est tout. Aimez les Américains avant qu'ils ne vous aiment. Parce que si vous aimez trop, après vous n'avez plus de pétrole. Hein. C'est pas faux. c'est pas faux. Eh mais j'avoue, pour moi, c'est horrible. J'ai genre que 2 rondins longs et que 3 rondins moyens dans tous les postes de collecte. Hein. Ouais, c'est ouais, vraiment, pareil. Moi, là, j'ai 2 moyens qu'on spawn. Oh, ça y est, commence à faire jour. Intéressant. Réveillons. Réveillons notre bûcheron. Ouais, klaxonne le bûcheron. Ah, j'ai genre de bûcheron, hein, je le réveille. Klaxon. Je te jure, j'ai une conduite tellement smooth, Narfan, t'en reviendrais pas. À quelque part, je la vois. Hein. Parce qu'en fait, je tiens les 2 rondins longs dans ma pince. Oh, il est beau. Il est beau. T'as vu? Je me suis mis à un bon endroit en fait. Ouais, ça va. Même si je t'avoue que là mon équilibre est plus qu'incertain. Les petits trous. Tu maintenant t'es mis, on prie. Je pense un peu trop loin, mais bon. Un peu trop loin, tu penses? Ah, je t'es pas à plat, avance un poil. Comment ça, je suis pas à plat? Ta remorque est pas à plat du tout, elle est relevée sous. Mais elle peut pas du tout être à plat en fait. C'est une certaine cuvette. Ok, ici. Bon. Oh, on peut se mettre sur la route, hein, pour essayer d'avoir un plat. Non, on va te faire quoi. Wouh! Ça voyage le rondin long, hein! On va faire un tour de manège! Wouh! Arrête de rigoler, enculé! Ah, c'est compliqué, hein. C'est pas mal. Oh, c'est beau, ça. Donc, je les demande maintenant. Attends, je les lâche. Attends, je retire ma pince juste avant. Parce que si je déloque ma caméra, ça va faire n'importe quoi. Voilà. Et ouais, je suis pas droit. Avance-toi un tout petit peu. Avance-toi. Ouais. Sors ouais, de la cuve. Avance-toi. 3 cm, vas-y, avance. Non, ça va être un peu plus de 3 cm. C'est bon, stop, là tu peux le mettre. Non. Non. Pour pouvoir mettre le chargement de long, il faut vraiment être parfaitement aligné. Hop. Bloqué comme ça, mon gars, voilà, ça c'est un poussin tronc d'arbre. Ça va être bien. Et ce tronc qui m'emmerde, ça y est, on commence à pousser, c'est pas mal. Oh, là, stop. C'est pas mal. Quoi? Je ne suis. Mon camion n'est toujours pas droit en fait. Alors, il est. Bah, il est juste pas droit en fait. Voilà. Parce que là, c'est bon. Quoi? Ça a bugué. Du coup, j'ai un tronc qui est mal placé. Ça, lequel? Celui de gauche. Ça a juste full bugué. Ça voulait se TP en tas de bois et ça s'est TP en rien du tout. Ça s'est remis de traviole. Je pense qu'il faut juste repousser un peu le. Ouais, c'est ça, juste un tronc. Ah, il faut que je mette en avancée. Oui. Voilà, attends. Oh, pas du tout. Hein. Là, il est pas bon. Il est zéro. Non, je sais, mais je vais l'attraper et le tirer en fait. Enfin, c'est... Voilà, après l'avoir attrapé. Oula merde.
c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, je pense. Je pense que c'est pas mal. Un jeu. Je veux pas. Je veux pas. Je suis pas. Je pense que je suis trop dans une position qui. Il veut pas quand même. On va avancer comme ça. Avec mes 6 points de chargement. Doucement, de toute façon. On va faire des ailes. Là, là, ça devrait le faire, non? Avance-toi, avance-toi. Laisse passer la boss. Laisse passer la boss. Ah, mais t'as une boss. Non, mais je vais aller sur la route, hein. Là, t'es bon, là. Je suis quasiment sur la route, je vais aller sur la route, hein. Je vais valider sur la route. Où il faut aller à droite. À droite, ok. Oh. Oh, oh, du coup j'ai un rondin qui est encore bon. Une fois qu'on est sur la route, ça. On peut le remettre. Hein. Je suis en train d'embarquer les arbres avec. Pour l'instant, la route. Tranquillement. Sans forcer, arrête d'essayer de vouloir nous doubler, de faire des merdes. Non mais je me mets sur ton flanc. Pour la grue au cas où. Il y a un tronc qui n'est pas bon. Alors okay. est-ce que après c'est moi parce que je suis pas parfaitement droit. Non, j'ai un tronc qui est pas bon. J'ai un tronc en fait, du coup le tronc que t'as soulevé là, celui qui est le plus loin de toi. En fait, il faudrait ouais. le ramener vers l'intérieur du véhicule un peu. Ouais. Vers le centre du camion. Ouais. Tu l'as, hein? Oui. T'es super loin. Tu sais? Pince. Yes. Ouais, vas-y, lâche un peu pour voir. Yes. Ok, c'est parti. Boîte d'auto, hein. Non, là, c'est ouais, là on a fait des manettes, hein. Je te renverse juste ou pas? Que moi hein, sur la route. En même temps c'est normal hein, moi je suis comme ça hein. C'est comme toi tu roules mieux que moi dans la boue, ça va. Tu crois? Non, je suis pas sûr, je me forme. Oula, ça monte pas. Oh, par contre avec le bois lourd oh le bois long elle m'a dit là la côte, non c'est bon là. Non, je pense que la route boueuse t'a mis un stop et que du coup t'avais plus de puissance derrière. Ouais, non, on a vraiment aucune force. Oui, c'est un camion conçu pour rouler sur le plat. Ouais, c'est un camion américain. Ça va faire vie là. T'es bloqué? Ouais. J'arrive avec un camion. On recule pas. Hein. Je passe à côté. Oh bah. Oh, tu m'as tapé là non? Ouais, j'ai tapé. Je suis en vitesse là, c'était intéressant. Tu veux grappin ou pas? Je devrais aller. Ça devrait aller si on arrive sur des routes moins dégueulasses et si on arrive sur le plan. Non, 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 là ça repart dans de la boue là, ici. Ouais, mais c'est redescend, ça n'arrive pas. Ça monte hein, encore. Ça monte un petit peu. Ouais.
tu me dis, hein. Je suis devant. Je laisse de l'espace pour pas te bloquer. Là, c'est de la boue, là, par contre. Juste ici, c'est de la boue. Tu patineras. Là, là. Là où tu es, c'est de la boue. Et après c'est de la descente, je te conseille de pas y aller plein de balles. Je vais y aller plein de balles, mais on peut aller de la vitesse. Hein. Allez, c'est parti! Accélérateur dans le deuxième virage, juste. C'est très bien passé. Faudrait que tu ramènes ton petit camion pour que je te transfère les roumains coucou. Aussi. C'est une vraie station essence, ça, non? Ouais. Tu vois l'endroit où je te dis qu'il y avait de la boue? Ah, il me remet pas d'essence si je reste en FPS. Intéressant ça. Tu vois l'endroit où je te dis qu'il y avait de la boue? Oui, enfin, oui, tout à fait. Oui. Il y avait un caillou dedans, 85 points de dégâts. Ah, la base, hein, la base du métier, je crois. Par contre, il y a mon 537 qui jette de ouf. Par contre, c'est incroyable comment les camions américains vont tellement plus vite que les camions. C'est livré, monsieur. Bien joué. So, what else? Il faut que tu prennes ton petit camion. Et que tu viennes à côté des scieries avec deux remorques pour que je te transfère les ronds d'un coup. D'accord. Ah, t'as que deux remorques pour l'instant? Ah bah ouais, j'ai pas de rondins courts qui sont réapparus, je suis désolé. Celle-là, t'es sûr? T'es censé le faire avec le camion. Parce que j'ai aussi moyen que tu vas pouvoir mettre dedans. Ah oui, ok. Mais là, c'est du court que j'ai, hein. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié. Oui, mais parce que tu peux mettre du moyen aussi sur lui, et je filerai la remorque moyenne à mon gros. À ton B130? Ouais, enfin je passerai de. Oui, c'est ça, la remorque de mon gros au B130. Ok, ça, tu es sûr que tu peux le faire? Oui. Oui, on a testé les remorques. Bon, moi, je peux tester la moyenne. Je vais tester les remorques. Ok, ok. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Ah mais t'as déjà pile deux coups en fait. Bah oui. Hein? Ah d'accord. C'est ton camion qui a tapé dans le poteau. Ah oui d'accord, super. Je sais pas ce qu'il fout dans cette position là, mais c'est très intéressant. Parce que quand t'as tourné, il a tourné avec le reste de ton camion. Quand ils sont trop loin en fait, ça tape tout le temps. Okay. Bah attends, je positionne juste ma grue avant pour te... Ah, moi c'est prêt, hein. Moi tout c'est prêt pour le transfert. Ah, presque prêt pour le transfert. Voilà, 186 de dégâts, ça fait plaisir. C'est vrai? Oui, je vais lui donner un peu de balle, comme un champion. Ok.
faire ça plus proche du garage pour être sur du plat, peut-être qu'on va mettre toi la prochaine fois. Chaque fois on se dit qu'on dégage le garage quand même, un peu de place. Ah t'attrapes toute la benne là, hein. T'es trop loin. Ouais, ouais encore un peu. Ouais t'es bien, c'est bon, c'est bien. Non, moi, toi tu dois peut-être pas voir le camion, moi je le vois. Mais en fait, je vois l'ombre de ton camion, et donc de sa benne, et je vois où est-ce que tu es. Ah. Non mais en fait c'est les pinces qui sont dedans, c'est le petit bord de la benne. Ouais c'est le bord de la benne que t'accroches. J'arrive pas à attraper les morceaux de bois à cause de ça. Là. Yes. J'en ai un. Les fils électriques, pas mon problème. On est en Russie, les camions c'est pas conducteur. De toute façon on sait très bien qu'il n'y a pas de courant électrique qui passe dedans. C'est la Russie. Ah oui. ouais, pas mal. Pas mal. Il est bon ? Pas mal. Parfait. Ça va être difficile de faire mieux. C'est une meilleure ou... Non, je déconne pas. Ça va être difficile de faire mieux parce qu'en fait là, il est déjà collé au plus haut du plateau. Ah oui. Là, je pensais que tu disais difficile de faire mieux du genre. Ouais, vas-y, continue, fais n'importe quoi. Non, ça, vraiment, non, je ne demande pas de toi, moi tu sais, je respecte ton travail. Plus vite. Ouais, respecte ton travail. Ça va pas fonctionner, hein. Il est goûté. Oh, tu bosses. Ouais, il peut. Il a quitté sa grue. Non, je suis toujours dessus, regarde. Incroyable, pas toujours. Ah, mais tu peux en attraper, hein. Non, je suis. Ma pince est bloquée dans le bord de la remorque. Ah, je pensais pas que ce serait aussi chiant de faire du transfert. Tu vois ? Redresse un peu ta pince, voilà. Vas-y, pince. Pince-moi. Oh, pas mal. Oh, la puissance de cette pince, y'a pas un bout de poids qui glisse, hein. Câble électrique. Pas trop, ouais, y'en a pas. C'est une illusion d'optique, hein. Tristan, en Russie, c'est une illusion d'optique. En vrai, c'est pas grave, là où il est, il sera moins chiant à attraper que dans l'arbre. Attends, le bon là. Ouais. Ouais, est-ce que tu peux l'avancer un peu? Ouais, parfait. Lâche. Ouais, nickel. Demandez-moi pour que j'arrête de les toucher, s'il te plaît, quand je les pose les autres. Ah, parce que tu les touches pas quand je te les demande? Quand tu me les demandes. Non, quand tu me les demandes, je les touche. En fait, je passe à moitié à travers. D'accord, et bien, c'est parti. C'est demandé. Quand même, ton chauffeur il doit être vachement en confiance. Franchement, il est sûr. Moi je vois un mec. Ouais, en vrai, je vois un mec qui fait ça au-dessus de ma bagnole, mais putain, je sens franchement, ma bagnole. Franchement, fort, hein. Il est plus serein que celui avec les troncs longs. Les troncs longs, hein. <J'pense>, hein. Dans tous les sens. Regarde, je passe à travers en fait. Encore un peu. Ouais, parfait, ouais. Ouais, pas mal. Il est bon? Ouais, pour l'instant, il est bon. Par contre, tu vas te mettre des défis pour mettre le dernier. Déjà, faut que j'attrape le dernier. Maintenant, c'est bon, tu l'as. Attends, j'arrive juste pas à voir ce que je fais à cause de la caméra. Un peu je descends. Tu peux attends, aller un peu plus loin. Ouais, tu peux descendre. Ouais, pas mal, vas-y, descends complète. Voilà, tu peux lâcher le bout de bois. Attends, ok. Voilà. Je te demande. Quoi ? J'espère que ça va pas tout faire bugger. Je te demande. Oh, pour l'instant ? Ouais, c'est Walidé ! Ok, parfait. Est-ce que tu peux t'avancer, s'il te plaît ? Bien sûr. Comme ça, je vois. Merci, c'est bon. Ah, tu. Ouais, ça va être un peu chiant. C'est chiant ou c'est comment ? Tu avances ton autre camion, hein, mais c'est tout. Hein.
Non, le seul truc qui est chiant, c'est que t'es un peu. Ça me fait jouer tout le temps dans la distance, mais c'est pas grave. Ah non mais attends, j'avance carrément. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok, c'est bon. Rien, j'avance complètement, bouge ton cul, et puis voilà. Rien. Ok, merci. On est côte-côte là, on va faire plus. Hein. Voilà. Lui, j'ai carrément bougé. Ouais, c'est ça, les encres et tout. Ah, j'ai décollé le béton. Oh, c'est pas grave. Ça, on était pas sûr qu'il y avait réellement du béton. L'épaisseur de béton. C'est pas grave, on est pas en haut. Ah, tu vas tout renverser. Hein. Tu vas tout renverser. Je sais, mais ma grue refuse de se lever. Voilà. Allez, la Russie te regarde avec beaucoup d'attention. Quand est-ce qu'il fait exploser le réacteur nucléaire américain? Tchernobyl. Et ils ont eu un truc comme ça, les Américains. C'est pour ça qu'ils ont plus d'usines nucléaires, je sais. De centrales nucléaires. Ouais. C'est dommage d'être un peu con et de pas savoir faire des usines nucléaires. Ça fait faire des bombes, par contre. Est-ce que tu peux le pousser un peu plus au fond? Ouais, tu peux lâcher. Parfait. Tu veux que je te le demande ou pas? Ouais, c'est ça. Parfait. C'est Walidé. Putain, comment le jeu, par contre, sa mécanique de pince est trop chiante, celle qui fait aïe là. Ah. Tu vois, la fête foraine, je ne jouerai jamais au jeu. Et tu peux pas les pincer plus, plus loin, éventuellement, sinon ça t'éviterait de... Par le bout qui dépasse de la remorque. Oh. Non, en fait, il dépasse pas réellement de la remorque, c'est un mensonge. En fait, il y a une espèce de bord invisible, j'ai essayé tout à l'heure pour le remettre. Et sur cette remorque-là, elle est un peu cassée. Genre, il y a la clôture, je la touche tout le temps. Le bord de la truc, je la touche tout le temps. Regarde, même là, je la touche. Là aussi, je la touche. Putain, ta mère! Je crois que je vais monter dans l'autre camion, je vais mettre un grand coup de gaz. Je vais faire tomber les rondins, ça sera mieux. J'ai bloqué ma pince. Tu peux toujours initialiser ta pince même quand elle est bloquée. Personne n'a rien vu. Absolument rien. Je te le demande. Il est pas assez loin. Je te le rends. Ah merde. Attends. Faut vraiment que tu le pousses un peu plus au fond comme l'autre. Je le déplacerai après. J'ai juste essayé d'en attraper un autre, soit ma grue est positionnée dessus. Regarde, t'as vu le mur invisible qui touche ma grue là? Ouais, bon après moi je fais une remorque invisible donc je vois pas non plus grande précision, si tu veux, des détails. J'ai pas trop. Non mais en gros si tu veux je suis on peut aussi sinon on peut aussi renverser ton BF-131. Comme un gros sac. Non c'était une fausse bonne idée, c'était une fausse bonne idée. Une vraie bonne idée. Tombe morceau de bois. Ah non, lui il a décidé qu'il resterait à bord. J'ai dit. Attends, par contre. Ok, j'en ai un, déjà. Je l'ai! Ah,
Ton tronc d'arbre est retombé. Quoi? Bah ton tronc est retombé parce que t'as changé de véhicule. Le tronc est pour te tomber par terre sur la route. Mais nique ta mère. C'est à peu près ça. Petite marche arrière de brut. Non, quand même, Narfan. Ah d'accord, t'essaies de juste relier ton... Ok. C'est bon. Et maintenant, petite marche arrière de brut. D'ailleurs, après, il faudra faire une petite marche arrière de brut pour remettre la remorque droite. Ah bah non, je le laisse comme ça, moi, maintenant, hein, je touche plus. Ah, c'est pas ce qu'on aura besoin, non? J'en avais plus besoin. Au pire, j'en ai une autre là-bas, hein. Tu sais que j'ai pas assez de points. Ouais, je sais. Tu peux juste toi te reculer s'il te plaît? Bien sûr, mais j'attends que tu t'attrapes ton trou. Peut-être, non? Ah, non, je vais arrêter de bouger. Les troncs qui se déplacent? Oh, attends, oh, mais ça c'est formidable, attends, je peux peut-être tricher comme ça. Oh, le tronc, s'il te plaît. Et bah, du coup, il est bon. Technique de triche ancestrale. Si tu veux pas le serrer plutôt de l'autre côté, voilà. Je sais pas trop comment je suis pour le placer là. Je vois pas. Mais il fallait repousser encore au fond. Vas-y, repousse encore au fond. Pousser vers le fond. Voilà. Voilà, c'est parfait, lâche. Yes. Parfait. Pousse sur l'arme. C'est pas toi l'armor qui m'empêchera d'avoir ce rondin de bois. Pas aujourd'hui. Apparemment si, peut-être. Pas. Voilà, ça yoloïse là, hein. Là, ça yoloïse qui disait Moïse, hein. Oula. Oh, oh. Mais attends, mais il fait gauche à droite là, le tronc, oh, il se fout de la gueule. En même temps, vu comment tu le tiens, tu m'étonnes. Faut le serrer, ouais, tant pis, on va essayer comme ça. Hein. J'y crois pas. Eh bah, t'as bien fait d'y croire, t'as eu raison. Tu vas t'en sortir pour passer? Oh, tu me trompes. Tant qu'on est sur route, tu tires un DS-130. Ça, hein, c'est deux petits chargements de bois là sur route. Et du coup on va chercher les moyens de l'autre côté de la carte. Ouais, on sera qu'à 4h30 de gameplay là. Pour l'instant. Hein. Non, c'est bon, on n'aura pas d'autres embrouilles. 6 heures plus tard, tous les camions sont deux. Fort. 5 points. Quoi? Ça devrait faire 6 points ça. On ne dit pas que le godet avant rapporte moins de points. C'est une blague ça. Mais non, c'est une blague. Mais c'est bon, si on rapporte 3 points après, c'est bon. Ah ouais. Mais c'est une blague. Je ne pas les voir. Prends ton autre camion là, on va sur l'autre truc. Quoi, tu veux qu'il y a du bois moyen? Ouais, on va chercher du bois moyen, parce que tu m'as dit que tu pouvais transférer l'armor. Je peux transférer l'armor, qu'à moins que t'aies autour d'un coup, dans ce cas je te suis directement que le PS en fente. Non, j'ai pas de rond d'un coup, j'ai deux moyens et ils sont à l'autre garage. Donc prends ton gros et on y va.
que ce jeu nous laisse pas couper nos arbres. Tout c'est pas fun. Ouais, j'avoue, j'aimerais bien avoir une grosse machine à disquer comme un sourd là. Détruire la nature. En plus, il y a des machines qui peuvent le faire. La grosse, la dépanneuse. Le sous-marin. Ouais. Bah, je suis parti à l'autre garage en fait. T'es parti pour l'autre garage. Ouais, d'accord, mais tu vas à quel poste de collecte? C'est ça qui m'intéresse. C'est les deux du milieu là-bas, dans les quatre. Les deux qui sont au milieu de la. T'as le plus à droite, poste de collecte, à côté de ton K8400. Ouais. Et l'autre qui est un petit peu plus à gauche. Ok, de toute façon. Les deux qui sont à peu proche de la route, relativement. Ok, ok, donc effectivement. J'espère bien évidemment que tu possèdes un camion à carburant sur la route. Oui, oui, j'ai mon américain qui est dans le virage et qui peut se déplacer, mais uniquement sur route. Parce que s'il va hors route, t'es pas compris dans une voiture. J'adore passer dans la ville où c'est écrit rouler à 35 mph, il y a des piétons et c'est en plein milieu de la nuit et tu passes à fond en klaxonnant. Ah oui, mais moi du coup je vais prendre le chemin de terre, tant pis pour le camion. Ouais. Non, mais je peux me déplacer avec le camion. Va falloir, hein, je commence. Assez vite, hein. Il est vraiment pas conçu pour rouler sur route à fond en fait. Non, même pour rouler à fond. Parce qu'en fait, il met beaucoup de temps à braquer, donc il met beaucoup de temps à débraquer. C'est un redressé, un contre-braquer. Arrête toi, attention. Je suis à fond. Hein. Qu'on se pense une troulette. Faut que je prenne. Ah ouais, à droite sinon je vais faire un tour de piste. Un panneau de circulation. Non, je crois pas. Un quoi? Je ne sais pas. Une invention européenne, sûrement. Sûrement. De toute façon, c'est pour faire quoi si ce n'est pour faire joli? Finalement, pas très important. Il y en a qui disent qu'il y a des dessins dessus. Bah la Joconde non plus, hein. Ça peut être de l'art. Ouais, moi je préfère de l'art. Pauvrerie, nénénéné.
énormes blancs. Ah, moi je suis concentré sur la conduite de mon gros là. Faut dire aussi. Ça s'entend. Je me demande un jour quand est-ce que je vais arriver au garage. Si j'arrive au garage, je... Ah, ça y est, monsieur. Pouvoir réparer machin etc, pièces de réparation c'est pas nécessaire, et puis bah ouais on va partir avec le bois moyen hein. Allez c'est parti. Tu peux en prendre combien de bois moyen? Un seul, deux? Un seul. Ah, c'est à dire qu'il faut qu'on refasse une run là après pour retourner en chercher parce qu'on n'a pas fini les deux scieries hein. Oui, oui, non mais de toute façon oui, et dans tous les cas il y a besoin. Parce que le BF 130, lui il charge qu'une seule scierie. Il est à 5 sur 8. Et le. Et bah ouais. Ah ouais, ou 6 sur 8. Oui, il faudrait que je prenne la petite benne de bois par contre. Je peux. Mais tu me disais que t'avais pas de petit rondin. Non. Donc non, ouais, on sera obligé. Hein. Par contre, je sais pas du tout où je vais par là. Hein. Tac tac, on descend. Comment tu te rends dans tes scieries de merde là? C'est dans les marais complets, c'est ça hein? Ouais. Ok. À cela j'arrive. À moins que tu veuilles t'avancer jusqu'à là-bas. Bah je peux. Ah bah go. Je suis en K700. Là bah, je suis en 500. En 537. Ok. J'étais en train d'essayer d'attraper tous les rondins de bois avec la grosse pince ou le truc, vous savez, faire des tests, tout ça. Ouais. Mais le truc c'est qu'il y a un arbre là en train de pour casser les couilles aux manœuvres. Ah mais t'as des rondins de bois ici aussi. Bah oui, moi aussi j'en ai, mais aucun courant. Moi, je n'ai que du moyen. Je t'ai dit, j'ai trois moyens et j'ai deux longs sur la scierie d'après. Voilà. Allez, si je te pousse là. Hein. Aussi, putain, ça bouge quand même vachement. Le mec a que déployé sa grue. Voilà, dis donc, ça tank de ouf! Par contre, je vois que dalle. Les interventions nocturnes, c'est vraiment. C'est vraiment compliqué. Attends, parce que. Non, parce qu'en fait t'as reset la position des miens et il y en a deux qu'on détruit. Moi j'ai reset rien du tout, c'est pas de ma faute hein. Non mais comme t'es arrivé en fait les tiens ouais, tout de suite apparu. C'est de ma faute hein. Ouais non, pas, non, de mais... soucis, pas de soucis, ben. En fait quand t'es arrivé les tiens sont apparus pour moi. Et le jeu a décidé que ça, c'était plus rentable de remettre leur position à zéro. Après, toi, je suis en train d'y penser, du coup, tu peux pas te mettre de rondin parce qu'il te manque la mini remorque au fond. Mais tu peux c'est peut-être ça, mais... tu peux peut-être te placer les trois rondins et plaquer ta pince contre.
pour les maintenir, essayer de te déplacer comme ça. Ça marche pas. Ça c'est parce que tu roules comme une pute. T'as pas l'air bien. Tu veux que je te laisse en point de référence pour guider l'autre pour l'instant? Je vois les autres donc tu peux me le demander. Non mais pour parce que je suis pas sûr que tu vois bien mon véhicule en fait. Après oui tu me diras, t'as la lumière sur ta grue toi. Sur ma grue ouais donc merci. Alors, je fais plaisir, j'avais que ça à faire. Tant que je me débatte avec ma grue c'est ça. Surtout que moi j'ai vraiment que ça à faire. Surtout ça. C'est pas le temps que tu fasses autre chose, c'est le temps que moi j'ai vraiment que ça à faire. La seule chose que je peux faire, je peux pas me charger, je peux pas me décharger. Ah c'est trop dommage. Si avec en fait ton K840 avec ton K80 ton K84 et celui-là vous pouviez prendre un ou deux troncs dans vos pinces, rouler jusqu'à la Syrie. Lui peut le faire le gros, mais faut juste que je réussisse à tous les attraper. Et bah dans ces cas-là tu charges sa chargeuse avec ta pince de grue. Je peux pas. Parce que je te rappelle que dès que je change véhicule, la pince. Ah ouais, ça passe à travers. La fermeture de la pince se réinitialise. Yes. Ouais, donc il faut que tu maîtrises la chargeuse. Pour pouvoir. C'est raté ça. T'as assez dehors. Qu'est-ce que tu. Le jeu. Bah, c'est parce qu'il y a des points un peu partout, c'est compliqué. Ouais, c'est pas mal, ouais, pas mal du tout. Ok, d'accord, il y a des petits murs invisibles parfois, hein. On va pas se mentir. Ah, il y a des petites complications. Sinon, en fait, j'aurais dû tirer le. Ah oui. Mais non, parce qu'il peut pas transporter. Oui, c'était ça le problème. Il peut pas transporter de bois. Ceci dit, j'avais l'autre qui pouvait transporter du long. On aurait pris deux. Oui, mais non, ça aurait. Oui, c'est ça, on aurait pris deux longs. Ouais, est-ce qu'on aurait pu faire. Mais le but était de faire ton succès pour l'autre. Alors que cette remorquette, tu l'as donné à l'autre. Oui, je peux la donner à l'autre, mais je veux dire, si tu voulais faire qu'un tour, il aurait fallu que j'emmène avec moi celui qui pouvait transporter des bois longs. Puisque j'ai deux longs. Ah, ça dépend, les longs, il en faut deux ou il en faut trois? Long, il en faut deux. Voilà, j'aurais pu. J'aurais tracté avec celui-là et on était bon. Ah, normalement on est bon là. Par contre attends, faut faire une marche arrière là-dedans là. Je aime à dire. Ça le projet. Je tourne comme ça, tac. J'ai cassé le jeu, Knarfang, j'ai coincé deux rondins dans mon véhicule. GG. Emporte-les. Ils sont coincés dans ma roue. Je suis coincé sur un arbre. Ça c'est plus embêtant ça. J'espère que t'avais pas besoin d'arbres pour t'aider dans le marais. Hein. Non, avec ça non. Je suis en train de les emmener avec moi. Il y a un rondin qui est en train de faire bugger tout mon véhicule. Ah si, le garage te rend je crois de l'essence, mais que quand t'es vraiment très très bas, genre je crois en tout cas. Non, ça te rend ton réservoir optimal du départ. Ça te rend que ton réservoir de départ. Oui c'est ça, donc rien du tout. C'est pour ça qu'avec le pro, il ne rend jamais rien.
blanc là, non? Un blanc. Mais non, non, c'est ce que je suis en train d'essayer d'attraper tous les rondins d'un coup. Ah, la concentration est totale, hein. Alors que moi, l'emmerdement est absolu de côté. Ok, j'en ai 3. GG. Je t'aurais bien dit change de véhicule pour me remettre de l'essence, mais je crois que du coup c'est mort. Ah, c'est mort maintenant. Ah, si je les lâche, plus jamais je les reprends ceux-là. T'es dans le mal-mal? J'arriverai au bout. Bon, j'aurai plus d'essence au bout. Quoique je sais pas si avec le gros ça réinitialise les pinces aussi. Je prends pas le risque. Hein. Moi j'ai de quoi tenir, ça tiendra. Pas moi. Pire, je prendrai mon PS130 et je viendrai chercher la remorque moi-même avec mon PS130. Bon, finalement j'ai juste besoin de me ramener une remorque. Allez, toi tu penses que t'auras besoin d'essence entre deux? Ah bah moi c'est sûr. Ah. On va caler. On va caler. T'as plus d'essence? Non, je vais juste relâcher pendant une demi-seconde à un plus du coup. Je bah à 28 minutes avec seulement 186 de carburant dans le stockage. Je suis même à peu près sûr que Narfang que j'y vais pas. Ah. Par contre, si j'atteins le garage, après j'ai juste à sortir mon autre grue, à aller me chercher une remorque dans le garage. Ah bah, trop tard, j'ai perdu tout. On a vraiment pas besoin. Oh là, c'est tu vois, il me reste un peu plus de la moitié et je suis en ville. Je peux venir sinon, je suis à côté. Hein. Regarde. Si jamais je calme. Non, mais arrête-toi 3 secondes, je te remets maintenant. Non, non, c'est bon. Je suis déjà à la jonction quasiment où je vais couper à travers forêt. Donc. Passe toi. Je pense
ça passe. J'ai arrivé à la moitié de mon carburant. Bien, ça passe. C'est pas un tir. En sachant que je peux me mettre en mode économique à n'importe quel moment et arrêter de rouler en intégrale. Au passage. Aussi. Ce qui est chiant, c'est que sur ces cartes, les ponts sont pas modélisés. Pour moi, c'est des immenses trous noirs en fait de l'espace. Et quoi ? Moi, les ponts, je les vois pas. Je oui, sais pas ça te fait des espèces de montagnes, comme s'il y avait. Ouais. Ça te fait des genres des montagnes et des trous, comme si c'était du relief. Ça. Parce qu'en fait, le générateur du map, de map le prend pour un simple relief standard et pas pour un pont. Le gars n'a pas modélisé le pont dans 6 boîtes. Il me reste 250 litres. Je suis 600. Ah, il faut que tu transfères ta remorque après. Ouais. De quoi ? Il faut que tu transfères ta remorque. Ouais, mais ça, c'est mon BF qui s'en occupe, ça. Hop, on se met à plat le plus possible. Tac. On va déposer chargement. Non. Tâchez la remorque. Non. Je suis. Oui. Changer de camion, détacher la remorque, en voiture Simone, on va récupérer cette remorque. Il y a un petit bazar au milieu de la route, hein, là. Ah, faut pas être trop large comme véhicule pour passer. Ah, c'est moi qui l'ai mis en plus, le bazar. Hein. Juste au niveau de la série, si tu passes pas par la série, tu te prends un piège en face. Piège, prank. Camion plus remorque. Moi aussi, il a le mien derrière, je te rappelle. Ah oui. Est-ce qu'on peut. Non. Mais non. Bah, il faut absolument qu'on trouve du rondin du rondin court. Pourquoi tu peux pas ? Je peux pas. Parce qu'en fait, ce véhicule n'est pas conçu pour transporter du rondin moyen, donc on ne peut pas tirer la remorque. Toi, ça a reset tes rondins ? C'est quoi qui est réapparu ? Moi, ça a rien reset. Ah, si, peut-être. Je vais regarder ça. Je vais dire ça. Je remets les véhicules en place. Et de remettre leur remorque tout de suite, prêt à partir. Voilà, parfait. Tac, tac, tac. Moteur. Changer de camion. Bon, ceci dit, on aura débloqué un dépôt quand même. Mais ça veut dire que tu peux complètement abandonner tes troupes pour l'instant. Les troncs servent plus à rien, tu peux les jeter. Oui, 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 non, mais en fait, là, de base. Ouais, ouais, mais... En carte, donc tu m'as dit, moi, qu'est-ce que je débloque je débloque du vide 3 rondins moyens encore. 3 rondins moyens, ok. Je vais essayer d'aller prendre les longs. Et de les... Parce qu'en fait, les rondins, si tu ne les charges pas ou s'ils ne sont pas compris dans un véhicule qui les transporte, ou si le jeu ne voit pas que c'est dans un véhicule qui peut les transporter, et bah le jeu refuse. Que de te donner d'autres rondins. Donc moi les trois rondins que j'ai abandonnés, je suis obligé de les charger sur un camion. Ou de trouver une remorque longue pour dégager mes rondins longs qui sont arrivés à leur place. Je peux t'envoyer ça ceci dit. Hein. Puisque j'ai un routier là qui est équipé en remorque. Ouais mais t'inquiète, je suis déjà avec un routier. Ouais mais moi vu que j'ai du long aussi là-bas, on peut optimiser et l'envoyer faire de, des pop des camions chercher le long. Vas-y. Et toi, oui, si t'as déjà une remorque, aucune de toi détient, puis moi je vais dans tous les cas. Ah, ou alors je prends mon K800, mon K84 qui est là-bas. Parce que j'ai un K84, je ouais. Suis popé. Prends ton K84, attrape les trous et ça va les faire changer.
comment ça t'as livré 2 points? Ah t'as fini un des trucs quand même? Ouais. Moi j'ai fini du coup mon 537 il était chargé. On va profiter hein. Ok ça marche. Ok, donc j'ai mon 484. Je vais aller au rondin long. Du coup j'ai vraiment besoin d'être en intégrale. Ce tracteur qui sont là les plus forts. Impressionnant. Ouais, mais dès que tu vas toucher la. Fais gaffe à ton carburant, on a pas une réserve infinie ici. Oui, alors par contre, ils m'ont donné avec 290 litres chance sur 340, donc ça va, ils sont pas foutus. Ouais, mais t'as des dégâts. T'as des dégâts pour compenser. Ouais, je suis sur 86. Franchement, c'est pas vénère. Pour ce que ça aurait pu être. Ça m'a glu à l'arrière. Est-ce que tu comprends ma douleur tout à l'heure pour attraper les trucs? Oh, c'est pas sympa ça le jeu. Tu regardes les chargeurs, c'était pareil. C'est de la merde, hein. Je sais pas comment les gens font pour charger avec ça. Je sais pas, mais j'aimerais bien qu'ils me disent aussi. Non, mais les gens, c'est juste. Non, mais c'est juste que vous êtes nuls, ça requiert absolument aucun skill, c'est trop facile. En vrai, je suis sûr que les mecs. Dans leur partie, ils attrapent juste le bois avec et ils le tirent jusqu'à la série avec. Ouais, j'utilise ma technique d'escroc. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors attends, je peux réinitialiser la go. Ah, on peut même pas réinitialiser la go. C'est bon, moi j'en ai deux, je les tire un peu plus loin. Ah là t'as pu bouger. Ah là, c'est pas bouger. Rondin de nouveau disponible. Je regarde ce que c'est. C'est du moyen, mais de l'autre côté de la carte. C'est sur mon. Non, non, c'est encore du. C'est encore considéré comme étant. Il faut que je trouve un camion sur lequel le mettre. Non, 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 tire-les, tire-les, emmène-les plus loin. Je me barre avec. Ah, rondin de nouveau disponible sur site. Qu'est-ce que c'est? Deux rondins longs dans le nord. Ça emmerde le monde un peu là, non? Ça nous bloque juste comme ça parce qu'on peut faire un défilé. On va retrouver 50 des rondins dans le coin. Donc vas-y, je vais continuer à foutre le feu. Dans le coin, j'ai des rondins moyens du pop. J'ai jeté mes rondins longs par terre et qui vient se faire foutre. Et je vais aller attraper mes rondins moyens. J'ai encore deux rondins longs qu'on spawn. Ils sont tellement chers. Ça, c'est... ouais, c'est là où t'es en plus. Je vais là où t'es. J'en ai tellement marre de cette mission. Mais pas marre parce qu'elle est chiante, marre parce qu'ils veulent pas faire apparaître ce que nous on veut. Oui, c'est ça. S'ils veulent pas nous donner du cours, pas une seule fois quoi. Non, mais t'es obligé de t'adapter à ce que la mission te donne. Ça, je t'avais dit, c'était pas le meilleur endroit pour taper le défi. Quoi? Ah, j'ai peut-être descendu un peu trop dans ma lame, peut-être que je m'accroche. Ouais, c'est ta lame, elle est trop basse.
Mais là, la plus haute possible, et t'auras plus jamais le. Regarde, allez, ouais, allez. Vous essayez Pierre. Ah, tu roules dessus. Arrête. Ah, l'autre il a crié comme si je roulais. On a un moyen et moi tout est de l'autre côté et je peux pas aller les chercher. Mort. Allez, il n'y a plus qu'à espérer que mes ronds d'un moyen là que je vais choper. Ah si, attends, j'ai mon B131, j'ai mon B131 qui est là-bas, qui peut avoir une boule aussi. Vite, direction le garage, je vais chercher une boule. Sérieux, je suis vraiment en train d'accrocher. Pourquoi faire ça? Oh, mais c'est chiant en fait, c'est juste chiant. Ah non, il peut pas avoir de groupe. Fuck. Ouais, je peux pas l'avoir quand même. Je cherche à faire quoi là. À faire. Je sais même plus ce que je voulais faire comme manœuvre tellement ça prend un peu de base pour tourner. C'est intéressant ça. Si je peux pas. Oh non, mon manette elle a plus de. Fuck. J'ai plus de pile la manette. Je t'avais dit qu'il fallait faire ça sur une autre map. Hein. Ah, je l'avais senti la baise, mais non. C'est pas grave, on la termine sans ça le défi. Ça sentait le cul, mais pas le bon cul. On la termine sans le défi, c'est ça? Attends, on va voir, là je suis en train d'aller au bout de l'or, on va voir vite faire. C'est sûr que ça va libérer des cours. Passe-moi donc en grue, s'il te plaît. Alors avec le contrôle, celui-là, paf, c'est une merde. Là, c'est lent, ça. Là. On va s'en aussi. Tout ça. Et à l'aventure, compagnie. Allez, on va faire une balade. Ok, nouveau ronde. C'est quoi? C'est de long. Ouais, c'est les cendres. Mais c'est sur place, donc je peux tenter d'arracher de long. Encore une fois. Vas-y. C'est... Ouais, Gru, vas-y, lâche pas ça. Le mec, il fout la spell. Il lâche tout par terre. Comme un sourd. Là, je vois les deux longs.
c'est que... Du coup, Knarfang qu'on sort avec ton bois. Ouais, c'est fait. Je viens de le jeter, et c'est encore deux longs qui viennent d'apparaître à la place de mes deux moyens. Donc j'y retourne. Je reprends ma bouffe, je me relâche. Ah, c'est un jeu quoi. Un jeu qui ne lâche rien. Il y a 10 longs, le BF-130 ici on n'en veut pas. Alors que le terrain est parfaitement approprié au BF-130, on l'a vu. Ouais, ouais, ça fait trop bien. Moi qui l'avais tant insulté. Avant de tourner. Alors bien. Voilà. Eh, là, j'ai un camion américain avec un bug différentiel. 5 heures. Installez-vous bien. Voilà. Écoutez ce doux bruit de tracteur. Qui va tomber avec le carburant avant qu'on me dérange un peu. C'est possible. C'est vrai que j'ai un camion américain qui a un bug différentiel et un plus 5 jeux. Pardon ? C'est possible ce que vous me dites. Et pourtant, si tu me voyais. Je suis dans de la boue avec un camion ricain en première avec un bloc différentiel et un intégral. Et bien sûr, je tire une remorque à bois moyen parce que ça m'a bouffé et que je. Tant pis pour lui ce que c'est. En vrai, faudrait qu'on fasse des vidéos où on fait les succès en faisant de la merde. Je te vois là-bas au fond avec ton camion là, en train d'aérer. Je suis en train de galérer, c'est parce que j'ai... en fait, je m'aperçois que la pince se réinitialise à chaque fois. C'est chiant. En fait, elle se remet dans un sens où tu lui as rien demandé à chaque fois. Et voilà, j'ai mon doigt, on se tire. Nouveau rondin. Nouveau rondin. Trois moyens dans le haut avec deux rondins longs. Moi, il ne m'aura jamais donné de cours à un seul moment, le jeu. Voilà. Je sens que t'es un poil dégoûté. J'en ai marre, j'ai envie de me suicider. Parce que c'est trop cool de la mort. Ouais. Toujours. Pardon. Ah, j'avoue, c'est gonflant. Hein. C'est pas très convivial, hein. Bon, je termine la mission. Eh bien, je récupère vas-y. Moyens. Je comprendrai. Je comprendrai. Je comprendrai ta douleur face à la difficulté. T'es avec quoi comme camion là? T'as du bois avec toi? Ouais, j'ai du bois avec moi. Ok. Je prends un Ford, je viens de voir. Ça c'est plus rigolo, je vais y avoir les gens en forme. Vas-y, mets un petit peu de gameplay là pour la fin. Un peu de drift surtout hein. J'ai presque envie de tester, mais bon. C'est plus sage. Et quoi ? En fait, ça, je me suis dit, j'aurais dû prendre la remorque moyenne et la tirer au treuil jusque dans la série avec le 130. Bah, si tu l'as à dispo, fais-le. Hein. Et sauf qu'elle est vide maintenant. Ah merde. Faudrait.
faudrait. Bah, je ramène 3 moyens. Je suis en train de charger 3 moyens. Mais c'est sûr que le 130 il a assez de puissance pour faire ça? Oui, oui, bien sûr. Mais je peux même encore faire plus simple, hein. Je peux prendre mon 537 là qui est déjà sur ma série, laisser la remorque sur place, sort par contre le 55. Ah, il veut pas sortir. Sinon je vais pas retirer aussi. C'est des minus. C'est des minus. Et l'autre il est déjà dans un arbre, c'est ça. Détacher la remorque et on est très bien. Je sors le 537 intégralement, je le mets à l'endroit où on peut récupérer les copeaux de bois, le bois tout court, les planches, je sais pas, je sais pas ce qu'on va récupérer à cet endroit là, mais genre un truc du genre. Et je me ramène avec mon 130 qui va me lâcher sa remorque de rondin court, hein. Voilà. C'est quoi, je vais même lui mettre au cas où. Je vais tester, hein, même si je pense que c'est inutile. Utilitaire, non, mais non, ça c'est vraiment pour les remorques, remorques. Remorque à rondin moi, court renversé, c'est intéressant ça. Dites-moi, ça rappellerait pas quelque chose. T'aurais pas perdu sur une autre map une remorque utilitaire renversée et pensé que c'était moi qui avais encore planté un nickel? Ouais, c'est pas moi ça. Bon, ouais. Ouais. Oh non, jamais. Test pour vous quand même, c'est incroyable, hein, sur comme d'habitude gaming, hein, on se donne du mal. Hein. Franchement, pour les survivants, vous pouvez au moins lâcher un coup bleu. Les non. Survivants, parce que... Je comprends bien ce qu'ils foutent là. Le camion ne transporte aucun chargement. Certes. Pour le moment. Ça pour le moment. Ah oui, alors du coup je sais même pas comment je fais pour te le valider sur la remorque. Quel valider quoi sur la remorque? Il faut valider le bois que tu vas me déposer sur la remorque moyenne. Ah oui, bah tu l'attaches à un autre véhicule avant. Ouais, du coup il fallait que je la laisse attacher à mon 537. Ce qui va être maintenant un petit peu compliqué. Parce que ce jeu est mal branlé et que dès que t'es dans une zone de scierie ou de garage, tu perds toutes les autres options. Ce qui est formidable. Voilà. On va faire ici, ce sera bien. Hop, on change de camion. Ok, bon, l'américain il a beau être en intégral bloc différentiel dans la boue. Par contre, je vais pas te mentir qu'il a pas de punch. L'américain? Ouais. Ah bah non. On va arriver. On va pousser un peu cette remorque là, j'en pousse pas un peu la remorque là, j'en casse pas un peu, va te faire voir si je suis là. Ah ouais, si, on peut faire ça.
c'est attaché. Tous mes camions qui sont quasiment là, c'est beau. Allez où toi? Ah, tu vas atteindre la ville bientôt. C'est bizarre, tu roules pas très vite. Oui, parce qu'en fait ma remorque roule sur deux roues penchées à la limite de faire tomber les rondins. Ah, certes. Certes, certes. Et que je viens tout juste de sortir, tu sais, du petit chemin de boue qui rejoint la vraie. Ah oui, je le vois. C'est découpé d'un peu de boue, ouais. Voilà, maintenant que je suis repassé en automatique, ça va tout de suite mieux. Ça va tout de suite mieux. Ah, du coup, toi, tu prends du bitume jusqu'au bout, quoi. Ah oui. Normal. Avec mon petit 40 litres au 100. Ah, franchement, je suis dégoûté qu'on soit embêté autant à faire un succès qu'on va pas pouvoir valider parce que le jeu veut pas nous filer des troncs courts, quoi. Ouais. Puis alors, toi, autant il t'en a filé deux, moi, autant il m'en a jamais filé, quoi. Genre zéro. C'est ça. Et dis-toi, t'auras que du moins du aurais. Je pensais que le jeu te filerait au moins deux de courts, tu sais, genre. Ouais, comme toi, il t'a filé à un moment donné, quoi. Pareil, juste que je me suis dit, bon, il en a déjà filé deux. Il va me filer aussi. Oh, il se remet du carburant, c'est trop mignon. Quoi? Tu te remets du jus là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, j'arrive même pas. T'es déjà en PLS? Bah, en vrai, ouais, parce que. Je t'envoie un Ford. Hein. J'arrive pas à me remettre du carburant. Putain, mais ce jeu codé avec le. Oh, c'est mais cool, ce jeu, c'est la dernière fois que j'y joue. Ah, vraiment. On a la limite du rage quit, mais. Pas encore, parce qu'il faut quand même finir la mission pour débloquer le bateau. Ah, par contre, si tu peux me ramener de l'essence, parce que je suis sûr que je vais tomber en panne. Hein. J'arrive. Je te ramène mon camion d'essence. Merci. Il est plein. La réserve est pleine. On va voir c'est où. Le plus gros d'ailleurs. La plus grosse citerne que j'ai à disposition. La 6000 litres. Quoi? Ah ouais. D537 6000 litres. Et l'autre 6000 aussi. Lequel? Le bateau. L'autre. Ouais. Ah je pense aussi ouais. Je pense que ça va être pareil. Même le défi de ne pas utiliser la carte sur une américaine, c'est pas possible parce que tu dois regarder pour savoir où sont tes logs. Oui, tu peux pas. Bah, en fait, après, il faut se dire que en dehors des succès des maps qui sont pareilles que les maps américaines, sinon à la base tous les succès étaient conçus pour les anciennes maps. Hein. Oui, donc là, après, c'est facile. Tu la connais par cœur, t'as un plan de la carte à côté, t'es bon. Ouais, c'est ça, tu prends des maps un peu petites, genre la côte, tout ça. Voilà, regarde, voici mon camion citerne. Merci. Je peux pas m'arrêter hein, parce que sinon après j'ai pas de. Ah merde, je tu vois de cible hein. Merci. De rien, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que vraiment ces 40 litres vont faire la différence. Tu m'en as mis 71 hein. Ah bon? Oh, je gère hein. Ouais. Je suis trop bardaise. Ah oui, parce que je me suis remis 9 litres par accident, j'aurais dû t'en mettre 80. Ouais. Est-ce que ça t'aide? Bah, non. Ça me fait gagner 4 minutes. C'est bien ça. C'est 4 minutes de la diff, non? Peut-être. Non, parce que il m'a tracé. À 35 minutes, c'est compliqué. Oh, le con, il m'a tellement tracé. Mais c'est j'étais rondin en plus. Hein. Ouais, bon, moi je glisse. Hein. Je glisse en Régis. Hein. C'est casse à savon finalement, le Ford. Hein. C'est-à-dire que même en ligne droite, il chasse du cul tout seul. Hein. C'est vraiment une casse à savon, mon gars. J'arrive pas à te rattraper, je vais prendre un poteau, je sors dans la boue et tout, c'est trop horrible. Hop là. Oh, ouais, il y a un virage, j'ai un virage avec un peu de coach, je vais pouvoir le rattraper. Oh non, il va déjà tellement plus vite. Il a déjà atteint le pont, trop tard. Je ne te rattraperai jamais avec le Ford. Tellement de la merde. Bon, on aura bien rigolé. Enfin, c'est ah, gros, j'ai fou du volant. Ah, j'ai fait la distance qu'il faut faire sur cette carte. Il y a succès de la distance. Sérieux, tu crois? Ouais, je crois que c'est sur celle-là, hein. Regarde. Ouais, il est bien vu par le jeu.
Hop, tentative. Attends, de ravitaillement. Non. Je vais y arriver. Attends, c'est quoi le succès là que je suis 40. Ok, ok, ok. Attends. Il faut que j'actualise mes succès. Chef, un litre. Chef. Ah, c'est buggy, putain. Attends, faut que je regarde le succès. Sinon, je vais le chercher, moi, je vais te dire ça. Sans ça, tu peux avancer. Fou du volant, atteignez 40 km/h avec un camion chargé. D'accord, ok. Ah, bah d'accord. C'est pas celui-là, le succès. Non, c'est pas celui-là. Celui sur la map américaine, c'est. Parcourir 10 km le long des côtes d'American Whites. Je sais pas c'est lequel, American Whites. Je sais pas s'il y a une autre carte ou si c'est celui-là. Écoute, non, c'est pas celui-là. On va le savoir. Ah, mais est-ce que c'est pas 10 bornes au bord de la plage? Sur l'autre carte? Ça ferait beaucoup, hein. Ouais, mais ça fait. L'autre en plus, ça s'appelle Grizzly Creek of Iron Oak, qui s'appelle American Wilds. Alors, ouais, mais c'est le DLC American Wild. C'est quoi? Oui, c'est le DLC American Wilds. D'accord. Oui, et donc long des côtes. Donc c'est sur Creek, c'est une plage, on est d'accord? Ouais, sur Grizzly Creek, ouais. Et bah c'est là-bas. Ok. Bon, bah, faudra se faire ça. Bon, je fais quoi? Je pose nique le succès, c'est pas grave. En vrai, je pense que nique le succès, puisque je ne peux pas attacher la remorque à. Je pense que je serais considéré comme transportant zéro bois. Et après, on peut tester pour la commu, Xababa, tout ça, God of War. Ah non. Oh, t'as dit que le test commu, c'est mort. Et en même temps, on a mis que moins de 3 heures pour celle-là. Hein. On sent que c'est vraiment la frustration du succès BF-130 qui t'a fait du mal. On a compris que c'était ça qui te faisait du mal. Voilà. Bon, bah sur ce, on vous remercie. Ou pas, hein, on s'en fout, on fait des bisous, on vous dit à la prochaine, mettez un pouce bleu si vous êtes un survivant, et si vous savez comment activer la physique des véhicules de l'autre d'autrui dans une game, on voudrait savoir, parce que nous ce qu'on veut c'est se percuter, voilà, donc on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine, à plus.